Voilà. Hop là, viens là, toi. Parfait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, peut-être. Attention, ça va s'afficher. Magie du direct. Peut-être. Oui, ah voilà, c'est mieux comme ça. Salut. Coucou. Dimanche après-midi? Ah ouais, 16h30. Ouais, bah, c'est l'heure du goûter, quoi. Bref. Bah voilà. C'est dimanche, c'est posé, c'est Tezo, c'est donjon, c'est event. Aussi, il faut le savoir, parce que en ce moment, dans Tezo, eh bien, nous avons des caisses à gagner en faisant des donjons aléatoires avec chacun de nos persos. Salut Ran, comment il va le Ran? Depuis cette soirée, ah, j'ai tellement la tête dans le cul. Mon dieu, ça y est, ça commence à plus trop me réussir à me coucher à 6h30 du mat. Ah, je te jure. Donc ouais. Plein de choses à gagner en faisant des donjons aléatoires. C'est génial. Donc là, je viens de m'en taper un petit pour me chauffer avec mon Duruide. Duruide qui a... Ah oui, d'accord, ça s'affiche... Pourquoi ça s'affiche pas? Pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah, oh tiens, si j'en ai un nouveau, la mousse émeraude. Augmente les soins apportés par vos compétences d'équilibre de 1% par compétence d'équilibre dans votre barre. Ah mais c'est génial. J'ai craqué. Ouais voilà, ce dimanche. Ce qui justifie d'ailleurs que ma tronche n'apparaît pas. Ouais non, parce que là vraiment... armure glacée, aura glaciale, réduit l'efficacité de... Bon, on s'en fout. Alors, juste regarder un petit quelque chose. Alors ouais, il faut juste que je termine un petit peu de désencrafté, désenchanté, désempinaillé, tout ça là. Parce que j'ai plus de place, donc il faut que je vende. Est-ce qu'on a un PNJ? Ouais. Vivek. Vivek. Tout ça, ça dégage. Tout ça aussi. Merde, j'ai vendu les potions, mais quel mongolo. Racheter. Ça faut que je mette dans le coffre. Mais j'ai plus de place dans mon coffre. J'ai les parchemins d'XP encore. Ah ouais. Parchemin d'expérience à couronne, parchemin d'expérience de la côte d'or. Le son de monture vitesse. Ouais, ça faudrait que je le mette sur mon cheval. Je vais voir comment on fait ça. Comment ça marche ce truc. Ah, j'ai toujours les bouboules vertes autour de moi, c'est relou. Ah oui, ça fait carrément gagner un level cash. Ah ouais, chaud. Alors, désencrafté. Hop, le décraft. Et puis après, bon, on va tryhard un petit peu le crafting, hein, écoute. Donc on y est, surtout qu'il y en a plein que je connais pas vu que je suis avec mon nouveau personnage. Jora Denita, développer vigueur base. Ah, c'est vigueur ça. Oh, j'aime pas. Pour ajouter raffiné, ouais. Ah mais j'en ai plus. Ah, j'ai le tas mais j'ai plus de carré, dommage. Elle est où la banque? Oula. Alors déposer, ça je peux poser. Votre banque est pleine. Et ta mère. Alchimie. Des meubles traités alchimiquement, moi ça peut être stylé ça. Des meubles en cuir, je fais pas cuir, on s'en fout. Peut être affiné en paquet de 10, nanana, armure légère. Meubles en tissu, tissu. Plus raffiné. Ça je garde parce que c'est les styles. Ça c'est les augmentations de traits. J'ai un déguisement. Ça aussi c'est un déguisement, ça permet de se déguiser en gobelin. Salut Warkilua, pardon. Et des détails décoratifs de meubles. Est-ce que je peux acheter des emplacements? Ça coûte 6800 l'espace de banque. À la vache. Ok. Bon, ben... Je vais essayer de poser des trucs. Ah, la pierre caméléon, c'est vrai. Pierre caméléon à couronne. Attention. Ça déconne zéro. Donc j'ai peut-être reçu dans mes messages remarque de... Ah, voilà, c'est ça. Hop, tout ça j'ai déjà récupéré. Alors. Métallique. Waouh, des couleurs!
Ah oui, tu peux carrément gagner des couleurs. Et un déguisement de forgeron. Tous les composants de vos déguisements et chapeaux sont actuellement portés. Ah oui, non, d'accord, c'est un truc qui permet de teindre ce que tu portes actuellement en une seule fois. Ah ouais. Ouh, c'est précieux, ça. C'est très, 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 très précieux. Qu'est-ce que j'enlève? Tout ça, c'est mes cartes au trésor. Un jour, j'irai faire un épisode spécial chasse au trésor parce que j'ai vraiment plein de trucs. Des meubles traités, blacksmithing. Ouais, mais blacksmith, je fais pas ça. Vous pouvez pas déposer ces... Ah, on peut pas déposer les pierres de transmute. Ah. Ah, c'est problématique. Alors ça, ça dégage. Ça, je vais le vendre. La suie de fripouille. Machin dehors la loi. Ça, je range. Et ça, je mets dans mon coffre. Ouais, les teintures, d'accord, ok. C'est quoi ça? Enchantement, récupération de santé. Mais c'est pour un tank. Collier d'endurance, ouais, je vais le vendre. Bon, alors comme ça, je finis de faire ça. Je reprends mon heal main. Et ensuite... Et ensuite, et ensuite, et ensuite... Donjon, event. Ah, c'est bon, je fais le tri. Oh, j'ai une notification. Ah, parce que j'ai eu le déguisement de forgeron, c'est ça. Déguisement forgeron. Oh, avec mes tatouages corporels, mon dieu. Marquage de tête, marquage corporel. J'ai la mort avec Tong. Pas terrible, terrible. Ça fait un peu tribal, ça fait un peu... Ouais, c'est pas top. Ça, c'est les... Ouais, c'est ça. Apôtre mécanique. C'est tout ce qui est Dwemer. Ouais, bah déguisement, je... Pouf. Ah, c'est vrai que j'ai ça. Guilde des mages. Vêtements de chasse des cendrés. C'est quoi, ça? Oula! Ah, c'est très Dunmer, ça. Alors, autant j'aime bien les elfes noirs, autant je suis pas super fan de tout ce qui est Dunmer, justement. Pareil, on s'en fout. Hop, et on reprend le main. Alors, donc, je rappelle que je pense que c'est valable parce que de toute façon, vous créez un compte que sur le jeu qui est gratuit jusqu'à jeudi, je le rappelle, vous pouvez participer aux events, donc qui est en l'occurrence 10 Million Stories, qui est en fait un événement qui rend ensuite les gens plus ou moins à raconter leur histoire à travers ce qu'ils ont vécu cette fois-ci dans les donjons. Il y a eu 10 Million Stories Tezo, et maintenant c'est plus ou moins 10 Million Stories Tezo Donjon. Ce pourquoi, quand vous faites un donjon aléatoire, effectivement, vous avez des récompenses. J'allais dire, est-ce qu'on va parler du drama monstrueux qui se trame sur YouTube en ce moment? Non, parce qu'en fait, ça concerne des choses dont on s'en fout. Voilà. On s'est bien marré hier soir, on parlait vite fait, mais je t'avoue que là, comme ça, bah en fait, on s'en tape. Enfin bref. Profitez-en, c'est l'heure du goûter. Mangez votre petit chocolat du calendrier de l'Avent si vous ne l'avez pas encore fait. Ou gavez-vous de chocobons, je sais pas moi. Alors j'ai quoi là? Ah oui, alors halt, c'est l'inventaire, alors commande. Voilà, hop, ça faut que je remplace. Oui, c'est vrai qu'on avait terminé avec Ran ici, hier, alors ça, brut d'enchantement, toc 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 toc, voilà, donc j'ai pas encore fait le donjon aléatoire d'aujourd'hui. Voilà, fourniture violette, comme d'hab, 82 000 d'XP, plus caisse de récompense mystérieuse. Ça, ça dégage. Ah, faut que j'aille vendre mon inventaire, oui. Carte, ma carte, quand t'as un petit creux. Le bois de gratte, pas de racine. Oh, j'avoue, un calendrier de bière de l'Avent. Tiens, c'est marrant, j'en parlais avec des collègues l'autre jour. Ouais, mais par contre, ça te fait un calendrier de l'Avent de 4 mètres par 3, ce qui est un petit peu pas super pratique. Le concept est génial, mais alors après, faut avoir de la place. Remarque, un chocolat de la taille d'une bière aussi, ce serait concept. Bah, ce serait un peu crise deux fois chaque jour aussi, mais bon. Oh là là. Ah, oula, ça pique les yeux, ouais, voilà.
Ah là oui, tiens, je vous avais pas montré les trois petits hôtels pour respect. Alors il y a celui-ci, l'hôtel d'Oriel, d'Akatosh, qui donc permet de reset ses stats. Ensuite, vous avez donc l'hôtel de Stendard, qui permet donc de soit reset les évolutions de compétences, soit effectivement de reset ses compétences dans leur ensemble. Voilà, voilà. Et alors après, vous avez l'hôtel de Mara, et si vous êtes, je crois, alors c'est... Faut être réseau plus, hein, abonnement je crois, et en fait tu peux donner une bague à quelqu'un avec qui tu as envie de te marier. Et en fait quand tu joues avec cette personne, tu as un bonus d'XP. Y a plein d'avantages hyper pratiques du fait de jouer tout le temps à deux comme ça. Je trouvais le concept hyper marrant, ça reprenait un petit peu, comment dirais-je, le côté du mariage dans Skyrim. Non, elle avant rien. Ah oui, elle, c'est les meubles. Festival des sorcières Totem Molly. Génial. Faut que j'achète ma maison d'ailleurs. La maison Lalu. Bâton de foudre. Ah oui, mais alors non. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais intéressant peut-être. Alors ça c'est quoi déjà? Ah, c'est de l'armure lourde niveau 45 du pacte vert. Ça a l'air tellement stylé. Mais en même temps, c'est pas pour moi et mon perso druide n'est pas du tout level 45. Quick slot consommable. Carte au trésor évidemment. Alchimie. Ça c'est pas alchimie. J'en suis. Mais pas vraiment. Blacksmithing. On s'en fout. Très stylé. Ah j'ai... Ah non c'est putain. À chaque fois je me fais avoir. C'est mon nécessaire de réparation. C'est pas une caisse à couronne. Non les caisses à couronne sont pas là. C'est où la banque ici déjà? Ah c'est à l'étage. Le tas d'étage de l'arbre infini. Ouais j'ai 32k or. Alors merde j'ai craqué une potion, c'est pas grave. C'est pas super évident, mais ça, je trouve que ça va un petit peu plus vite que ce que c'était avant. Alors après c'est peut-être une impression ou c'est moi qui savais pas faire, mais en fait le fait de faire plein de donjons te donne plein de stuff, et ce stuff là, bah je le vends. Salutations Sera, à un moment s'il vous plaît. Après, plus tard, j'ai pas super envie de faire ta quête. Elle est où la madame de la banque? Ah c'est lui. Tiens, Rocha. Je parie que même si... Alors, est-ce que je peux ranger dans mon truc, moi? Je peux caser tout ça, là? Vous avez atteint la limite de votre inventaire. Ah. 6800. Oh ouais, mais non, faut que j'économise. Donc, bah, c'est pas super évident, mais ça se fait tranquille ou pépère. Là, j'essaie de... Alors, attends, elle coûte combien, la maison? Salut, Drama. Salut, Yunkiel. Yunikel, pardon. Voyons voir. En fait, quand il pense pas trop, ça monte tranquillou. Si tu galères un petit peu, tu vas le sentir un peu passer, tu vas te dire « Ah mince, il faut que je fasse des trucs et tout, c'est relou, nanana. » Mais en soi, ça passe plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça couronne? Il y a des nouveautés, on s'en fout. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ceci, pour aller voir combien coûte la maison que je veux m'acheter à côté de Fayez. Alors, c'est pas le vieux manoir, c'est la porte de l'automne. Donc on va s'y téléporter, juste pour aller revoir un petit peu la maison. Et voir son prix d'achat qui, je crois, est de 120 000. Oh non, ça doit être plus. Parce que t'as, au départ, t'as une chambre de... Pas d'hôtel, mais une chambre d'auberge, pardon. Après, tu peux t'acheter des petites maisons, des après des moyennes, des grandes, et après, t'as des énormes demeures, genre dans des falaises, dans des grottes, dans des machins énormes. Ouais. Bah, c'est pour ça, les donjons, c'est génial. Comme je vous ai dit, vous faites 2-3 donjons par jour, ou même un seul. Déjà, vous avez tout le bonus d'XP de bâtard qui est ici. Et en plus, derrière... Attendez, je vais décaler le chat pour le coup, un tout petit peu. Que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Vous avez masse XP. Et vous avez des fournitures géniales. Et en plus de ça, vous lootez plein de trucs. Donc ça se fait plein de pognon. Donc voilà, ça c'est la maison que je veux m'acheter, qui est pas loin de Fayez, qui est même plutôt proche de Fort Ivar. Et voilà, là c'est le haut Rodgar. Orivar est là, Fayez est là, et en fait cette petite maison au style très très nordique Skyrim hein, bien sûr,
est relativement simple. C'est une énorme longère à peu près, ça ressemble un peu à ça. Mais très cosy, voilà. Très très cosy. Et alors fais voir, c'est F5 pour les options d'achat. Option d'achat. Et elle coûte 60 000 pesos ou 2350 couronnes. Je rappelle que quand vous avez ESO+, effectivement, vous avez 15 000 couronnes par mois en plus de votre abonnement et en plus de tous les avantages que ça offre d'avoir accès à tous les DLC. Donc finalement, s'acheter une maison en ayant l'abonnement qui, je rappelle, coûte le même que Warcraft, à savoir 13 euros par mois, c'est le truc le plus rentable du jeu. Sachant que vous pouvez directement donc acheter votre maison avec 15 000 couronnes, ça va vite, hein, ça coûte que 2300 couronnes. La maison, c'est du housing. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux crafter des meubles et après, tu as ton petit chez-toi dans lequel tu peux inviter des gens. C'est purement esthétique, mais je crois aussi que tu as de quoi ranger des trucs. Ça t'offre des espaces de stockage, mais là, j'ai un doute. Et tu vois, tu peux l'acheter meublé. Alors meublé, par contre, tu peux l'acheter qu'avec des couronnes. Et ouais, non, enfin, c'est un petit peu ton petit jardin. Voilà, c'est ton petit jardin. 1500, pas 15 000. Ouais, non, 15 000, ça ferait 15... Ouais, non, c'est chaud. Ouais, bah 1500 couronnes quand même, ça reste quand même extrêmement avantageux au niveau de l'abonnement. Ouais, non, 1500 couronnes, ça fait 15 euros. 15 000 couronnes, non, non, oui, non, bien sûr. J'ai un zéro de trop dans la tête. Non, mais... Non, voilà. Grosso modo, c'est un petit peu... On va dire le côté Animal Crossing, quoi. Alors après, je crois que tu peux quand même faire pousser des herbes. Y a pas des petites choses comme ça? Ah, faudrait que je re-regarde, je sais plus. Mais t'as des maisons qui sont vraiment magnifiques. Et qui ont toute une petite histoire. T'as des maisons, t'as même une maison qui est à Vendôme. Tu peux acheter une maison qui est littéralement dans Vendôme. Qui est juste là, là. Le chagrin de Grimrat. Alors... Faut juste que je regarde où est le menu pour acheter des maisons. T'as un menu spécifique qui te permet de lister toutes les maisons et de te les montrer. Tu peux les visiter, évidemment. Pour te faire une idée, seulement. Emote spécial, journal. Ah, je sais plus où c'est, je savais où c'était à la manette, mais alors au clavier. J'ai oublié. Peut-être dans les boutiques à couronne. Ouais, c'est ça. Couronne, qu'est-ce que couronne, ESO+, initiateur de quête. Alors en fait, faut prendre des initiateurs de quête gratuits pour avoir sa maison. Mais du coup, sans la fibre, tu DL à combien? Enfin, t'as de la DSL juste, parce que ouais, c'est vrai que 50 gigas, c'est chaud. Monture. Pourquoi avez-vous fait cela? Ah oui, c'est vrai, il y a des nouveaux trucs. Teinture, vous savez, teinture, on s'en fout. Gardeur, familier, artisanat, salon cosmétique, maison. Voilà, donc vous avez les... Les chambres d'hôtel, et par exemple, voilà, alors, le bungalow, quoi qu'il arrive, les maisons en terre moche, sera à l'abri. Ça c'est chez les Argoniens, oui. Ça c'est ici, on ne nous a chez les Bosmer. Notre sécurité est infaillible. Ça c'est quand t'as le DLC impérial. T'as les maisons sur pilotis des Khajiits. Là y a pas tout, y a pas absolument pas tout, parce qu'il y a d'autres maisons qui sont complètement craquées. Ah non, ça c'est les demeures de base. Après t'as les demeures classiques, moi c'est une demeure classique que je veux m'acheter. Non, de base, pardon. C'est une demeure de base. C'est celle-là, là. Porte de l'automne. Après t'as les demeures classiques, donc qui sont en général déjà quand même un petit peu plus cossues. Ils sont... Alors il y a toujours le tas de bouse, hein, bien sûr. Mais tu vois, t'as du style Rougegarde, t'as du style Altmer, t'as du style un petit peu mélangé. Ils sont vraiment, vraiment belles. Et alors après, les demeures remarquables. L'observatoire antérieur, mais alors celle-là, mon cochon... Je vais juste aller la visiter parce que... Pff, oh là là, mais t'imagines une maison dans la cité, dans la Clockwork City. Les avantages des ESO+, bah tiens, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On ne peut dépenser ses couronnes gratos qu'en monture, familier et autres menus machin. Ah, les salauds. Alors... Accès à tous les contenus téléchargeables, évidemment, espace de stockage illimité pour les matières premières d'artisanat, le fameux sac, 1500 couronnes par mois pour monture, familier et autres. Donc oui, on peut pas les utiliser pour les DLC. Ah, les fils de pu... Pardon. C'est un peu bâtard quand même. Espace de banque doublé pour le compte, très intéressant. 10% d'augmentation à l'acquisition hors expérience, 10% à l'inspiration vitesse, recherche... 2 fois plus de places de mobilier et d'objets de collection dans les maisons.
Oh, ça c'est con ça. Teindre les déguisements. Et devise doublée pour les... En gros, tu chopes plus de cristaux pardon, quand tu décraftes des trucs à couronne. Mouais. Il y a un peu de la fille de puterie dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Oh, mais c'est magnifique. Je suis... bouche bée. Non, je... Ouais, non, mais ça claque, en fait. D'accord. Donc, Clockwork City, je confirme, ça claque. Ça claque Work City, même. Je vais voir la maison en elle-même. Mais alors, c'est bien un espèce de... Ouais, c'est bizarre. C'est un espèce de plan d'Edric, parce que c'est pas sur Mundus. C'est vraiment dans l'Oblivion. Ouais, c'est chelou. On se croirait dans... Comment il s'appelle ce monde-là, dans Dofus et Wakfu? Le Xelorium. Ouais, bon bah voilà, après c'est très Dwemer. Faut aimer. Je vous avoue, faut aimer. Personnellement, j'aurais pas mis que du doré. Ah ouais, non mais ça pète la classe internationale en fait, cette maison. C'est juste complètement parfait. Oh mon dieu. Yo River, comment va? Oh la vache. Manquerait plus que des montures volantes. Sincèrement, manquerait plus que des montures volantes, ce serait tellement la classe. Oh là là. Ça y est, ça va encore plus me dégoûter de pas avoir Clockwork City. Comment on fait pour s'en aller par contre? Ah, c'est là la maison. Ah oui, d'accord, c'est tout le bordel là. Ah, quand même. Ah oui, effectivement. Et en fait, tout ce qu'on voyait là-bas, c'était toute la map. Pouah. D'accord. Ah, j'adore. Je suis très fan du style très rouage, très steampunk, très tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement ce style Dwemer depuis toujours hein, dans Elder Scrolls, ça me parle vraiment vraiment beaucoup. Au grand pope. Bah moi j'ai bien la tête dans le cul parce que jusqu'à 6h30 du matin hier on s'est dit bah tiens on va rejouer à GTA Online. Après avoir fait une session monstrueuse sur Ghost Recon Wildlands. Wildlands. Comment on se barre d'ici? Bonjour, je voudrais m'en aller. On va se re-TP aux boîtes grattes. 730. Ah, c'est marrant parce que plus t'attends, plus le prix baisse. Non, il y a un moyen de se barrer d'ici, je sais plus comment on fait. Non meublé, 12 000 couronnes. Bah oui, ça s'achète que en couronne en plus. Lolilol. Ah, c'est un ascenseur. Ah ouais, c'est un ascenseur. Oh la classe. J'adore. Une session qui a permis d'avoir du matos de best-of. Oui. Oui. N'est-ce pas? Non, 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 j'étais pas en live jusqu'à 6h du matin. Non, non, t'es folle. Non, quoique, vous savez... Attends, c'était quoi? C'était... Ouais, c'était Worlds Adrift. Quand j'ai découvert le jeu, j'ai fait, je crois, 2 sessions sur 2 jours de suite, où en fait, j'avais commencé à 21h un soir, et j'avais terminé à 10h du matin le lendemain. C'était, je crois, la première session Worlds Adrift en live. J'avais fait 13h... Ouais, vraiment, 13h de live. Ah, j'étais frais après. J'étais bien. Elle est où la madame qui vend? Elle est là. Alors, virons un petit peu d'espace. Non, c'est bon, j'ai tout viré. Woodworking. Alors, c'est marrant parce que... Ah non, c'est tout en anglais. J'ai combien? 76 sur 80. Bah, c'est parti. Donc, je rappelle, il faut faire des donjons par personnage et par jour sur cette période actuelle pour avoir des montures spéciales, potentiellement en tout cas des caisses à couronne. Donc, foncez. Faites-vous des caisses à couronne gratos. L'occasion pour vous d'XP, de vous faire du pognon. Comme d'hab, les donjons aléatoires, n'est-ce pas? Et en plus de ça, eh bien, d'avoir plein de trucs sans payer. Parce que le jeu, je rappelle, est gratuit jusqu'à jeudi. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire?
Rang de la Salle. Ah, bah oui, bah, j'ai pas eu le temps. Le Havre de Cœur Noir. Est-ce que j'ai déjà fait celui-là? J'ai pas l'impression. Le Havre de Cœur Noir. Alors, un autre jeu que j'attends avec moult impatience, qui ressemble à World's Adrift, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est Sea of Thieves. Non, Sea of Thieves. Ne confondons pas les S et les TH. Le Assassin's Creed 4 Black Flag Pulsar Lost Colony de Microsoft qui arrive début 2018. Ah oui, non mais alors si vous commencez à speedrunner donjons, moi je vais pas être copain là. Et là pour le coup on se croirait vraiment dans Black Flag. 4 fois le même aujourd'hui, ouais, sachant que j'ai quasiment les 3 quarts des donjons débloqués avec ce perso, je serais tombé sur le cachot interdit, je t'aurais flingué le jeu. Oui, non, mais. Oh putain, ça va faire comme le donjon des cendres hier. N'importe quoi. Ah, ouais, ça fait mal en fait. Ouais, c'est quoi cette grosse bébête dégueulasse? On dirait un truc de Half-Life 2. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À tous les coups, c'est un druide. Un druide qui lance invocation, je sais pas quoi là. Oh, il y a tellement de PNJ qui te lancent tellement de zones. Oh putain, je vais crever. Oh là 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 là. Oui, bah oui, bah non, mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, tu vois, dès que je meurs, tout de suite tous les autres meurent. Ah oui, d'accord, donc là on est plus du tout dans l'overheal, on est bah démerde-toi parce que sinon tout le monde crève. Et pourtant le tank, tiens, t'as vu comment il se prend extrêmement cher le tank. Bon, il tient bien. Hein. Mais il prend cher. Hein. Oh, c'est pas possible. Allez, l'ulti-heal. Voilà. Elle est vraiment dégueu cette bébête. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu commences à te plaindre? T'es pas mort que je sache. Au lieu de faire 3 petits points dans le chat, t'as qu'à te battre. Mer qui bien. Oh d'ailleurs j'ai vu que j'avais pas du tout remarqué, mais suite à la Fall Creators Update que j'ai dû me taper l'autre jour. Eh bien maintenant quand tu ouvres ton Task Manager, tu vois ta charge de carte graphique. Et je trouve ça super génial parce qu'on ne voyait pas. Salut Goku! Je joue Templier en main heal, full heal, et après je me suis dit que j'allais jouer gardien, que j'appelle druide en fait, parce que concrètement c'est un druide, ayant acheté en promo Morrowind, voilà voilà. Sachant que moi ce que j'attends par-dessus tout, ça n'a rien à voir avec Tezo, c'est qu'on est bientôt le 12 décembre, bon bientôt c'est relatif mais bon, et que le 12 décembre j'ai totalement précommandé Okami HD, et je ne streamerai plus que ça quasiment quand je l'aurai, parce que c'est mon jeu de la vie. Faut peut-être pas que je reste dans les zones rouges, hein, ce serait bien. Ulti-heal! Vous ne me tuerez jamais. Hop, on remet les zones. Restez dans les ronds si vous voulez pas crever, merci bien. Ceci était un message de santé publique. Bon, par contre, toi là-bas, faut mourir. Ah, par contre, je chope un tout petit peu l'aggro, s'il vous plaît, merci. Très bien joué. Gros tank. Gros tank. Oui, non, je reprends l'aggro, là, par contre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez rester... Ah, putain, mais il était hors de portée. Mais quoi, il est barré, lui? Un DPS qui est parti faire ce... je sais pas quoi, et il est mort. Ça t'apprendra à partir je sais pas où, tiens. Par contre, mon ulti charge tellement vite. Eh, ouais, non, tu me tueras pas. Je suis un ulti invincible. Je fais ça quand je me retrouve dans des zones rouges un peu trop rapidement. Comme ça je sais que je peux pas crever. Non, sans déconner, il est mort où le bonhomme là? Bah il est mort tout là-bas là-bas. Attends, t'es marrant toi. Moi je peux pas heal. Hein. Tu vas hors de ma zone, je peux pas te heal. Oh, il vient de lui foutre un vieux coup de tatane. Tiens bon mon cochon, tiens bon, tu peux pas crever avec moi. Go down on a high sim. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Mais go down où ça? Là-bas là? Bon, par contre, t'es gentil, tu revis vite et tu fais pas chier.
Allez, 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 allez. Allez, remonte, maintenant, remonte. Ah oui, mais alors comment on fait? Il est magnon. Je fais comment? Oh putain, puis il y a plein de monde là-bas. Ah oui, go down, je voulais pas go down, je savais très bien que je pouvais pas remonter après. Lol. Là, voilà, voilà. C'est génial, il y a un escalier là. Ouais. Je vais juste essayer de pas moi-même mourir. Ce serait bien, hein, quand même. Allez, fiesta les cochons, fiesta de hill, gavez-vous. Gavez-vous comme des gros porcs. You shalt not die, not on my watch. Non, par contre, ouah putain, c'est pas passé loin ça. Je me fais stun tellement tout le temps. Bah, what the fuck is this, what the fuck is this? J'avoue, je connais pas le donjon moi non plus, hein. Ah là là, et les PNJ qui te mettent les zones de dégâts pile dans tes heals à toi pour pas que tu restes dedans. Ça, c'est hyper intelligent. Ok, il est mort. Stay alive. Thank you. Non, j'ai pas pris la cité mécanique. Enfin, peut-être pas encore. Je pense qu'il se pourrait que je craque un jour pour la prendre. Mais pas tout de suite. Morrowind, j'ai commencé un petit peu la trame principale. Je me suis un petit peu baladé. Je me balade. J'ai fait toute la quête d'intrigue de Balmora. Toute la quête, pas d'intrigue, bah l'intrigue de Balmora plutôt. La quête scénaristique. Avec la fille du comte Eris et tout ça. Qui était plutôt pas mal, franchement. Des belles histoires d'entourloupe, enfin en même temps les Dunmer comme d'hab. Alors toi mon cochon, voilà, t'arrêtes tes heals. Et tu te couches. Allez, empalement. Non, on peut pas synergiser, trop tard. Après ils me remettent les zones rouges dans le heal. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait à l'IA, elle est vachement lucide. Par contre, arrête. Franchement, bonhomme, arrête de te barrer vachement en amont parce que là, on va pas te suivre. Bon, il gère totalement un niveau tank, il gère. Je sais même pas quel niveau il est, il doit être vétéran. Vétéran 463. Alors, on est 38, 46 et double vétéran 400. Ouais, bah tu m'étonnes que c'est un petit peu compliqué. Après, le matchmaking, ça va, il a fait deux vétérans, deux pas vétérans. Plutôt pas mal. Tu vois que nous, n'étant pas vétérans, on galère complètement parce qu'on n'a pas de stuff. Enfin, en tout cas, pas autant que eux. Alors que eux tiennent beaucoup. Putain, regarde-moi ce tank, il se jette dans la mêlée, il aggro tout le monde. Il perd même pas la moitié de sa vie. Exceptionnel. Exceptionnel. Il doit tellement bien être stuffé. Ouais mais alors par contre ça, voilà, encore une fois, les mecs rushent les donjons, si on était entre potes, on prendrait du temps, on fouillerait un petit peu partout, il y a plein de trucs à ramasser, mais j'ai pas le temps. C'est un boss ça? Ah ouais. Don't touch my copain. Et regarde-moi. Hop, le soleil divin. Allez-y, synergisez avec ça mes cochons. Ah oui, non mais non, mais par contre la recherche, tu veux... Attention, mets la garde. Oh, il est vraiment sale son truc là. Vraiment, vraiment dégueulasse. Oula. Je les vois pas bien. En fait, je mets tellement de zones de heal que ça fait briller tout par terre et je vois plus les zones rouges. Ouais c'est ça, oui c'est vrai. Rester à côté du tank pour qu'il reprenne l'aggro. Effectivement, utiliser combustion spontanée, BAM! Attention! C'est vrai qu'en général quand t'as plein de trucs qui te sautent dessus, t'as tendance à paniquer et à courir partout. Attention! Je dis attention mais ils m'entendent pas.
Les familiers passifs qui sont là juste en train de te regarder, je trouve ça un peu débile. Là, vas-y, c'est bien. C'est ta vie. Attention. Allez, tiens, synergise-moi ça, mon coach. Oh, allez, bam, t'es mort. Parfait. Une armure légère, 1312 d'attaque, 763 de magie maximale. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, de la magie du 820. Ah, ça, génial. Je vais être encore moins out of mana. Les deux derniers DLC qui manquent. Ah oui, d'accord. C'est parti. Ça devrait faire l'affaire. T'as 70 shampoings. Points de champion, ça fait des shampoings. T'as perdu la tête. Tu vas tous nous tuer. J'y compte bien, mon ami. Oula. Ce n'est pas une vie. Oula. Oh, il s'est transformé en squelette comme dans Pirates des Caraïbes. Oh putain, c'est quoi ça? Attends, lâche-moi. Ah, le trou last boss, c'était lui. Ah bah il est mort. Ou alors, pas vraiment. Ah, sale bête. Mmh. Et ensuite bah, le temps qu'il a plusieurs choses de mémoire, il a des sorts d'aggro, il a des sorts en fait de grappin qui permettent de remettre les monstres sur lui, de les réattirer. Pour ensuite les retaper, tout ça, et il a beaucoup de passifs en fait qui font que ça génère en fait de l'agressivité. Des attaques de zone, des machins comme ça. C'est par là? Ah ouais. Bonne promenade. Mais est-ce que c'est le chien qui promène le maître ou est-ce que c'est l'inverse? Ah, à mon avis, elle est loup-garou vu l'icône qu'elle a à côté de ça. Pardon, la vache, c'est haut! Ah, faut prévenir qu'il y a des tremplins. Des tremplins, n'importe quoi. Des précipices. Damarpi, elle va se calmer là parce que. Putain, il y en a déjà un mort. Vas-y, ressuscite. En ce temps-là, je heal comme un cochon. Ça passe. Ça fait mal quand même, hein. Mais il est quoi comme classe, lui? J'arrive même pas à définir. Chevalier... Non, si, chevalier dragon. Les queues qui font ça, la transparence avec le cœur. Chevalier dragon. Ouais, mais il faut l'interrompre aussi, en fait, à la base. Ça, et le reste c'est de la merde. Zuba. Oula. Oh, des herfreuses. Ce qu'ils appellent maintenant des sorcières, super. Comment c'est méga stylé.
croirait dans Uncharted. Ouais, alors par contre, oui, voilà. Hop, interrompe. Aïe, je crois qu'elle m'en veut là. Ne meurs pas, ne meurs pas. Voilà, Damarpie fusion. Ah non, ça c'est une vraie Airfreuse pour le coup. Ça crache du feu l'Airfreuse ? Depuis quand ? Je sais que ça lance des sorts, mais. Oh la vache ! Oh les barres, comment elles ont monté d'un coup là ? Oh je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Oh putain, c'est pas passé loin. Oh, dans mon dos. Niveau 45 avec lui et mon druide est level 17-18 je crois, mais après j'ai quelques autres persos qui sont level entre 10 et 20. Pas exceptionnel, mais j'ai testé plein de trucs en fait. Elle est où? Elle est là. Attention, ça s'est fait extrêmement mal. Les boules de feu, ça fait tellement de dégâts. Ah, je suis oum. Ah ouais, quand même. Ah la vache. On a un mort. Waouh. Il fallait pas rester dedans. Hein. Attends, je vais ressusciter. Bouge pas. Allez la pierre d'âme. 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 Pouf. C'est bon. C'est bon. Tu ressuscites avec toute ta vie quasiment. Pouf la vache. Merci. Ah, t'as acheté l'Hyrule Historia. Merde, j'ai fait décliner, j'ai filé la mauvaise touche. Mais quel bâtard de fils d'up. Allez, prends, 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 prends. Oui, merci. Ah, désolé pour le misclic de clavier là. Oh là là, pourquoi j'ai mis cette touche aussi proche de l'autre? Oh, c'est bien joué. Très bien joué de la part du tank. Là tu vois, tu prends le temps, tu fouilles, il y a sûrement des potions, tu vois, hop, potion de vigueur, et des potions pas dégueu. Ah oui, je comprenais pas pourquoi tu disais cette violence. À la Saitama, ok. Non, j'avoue, l'Hyrule Historia, c'est étrangement un des trucs que j'ai pas encore, tu vois. Mais je suis pas, en fait, ouais, j'ai jamais eu mass goodies. Alors que je commence à avoir une collection d'amiibo qui est complètement phénoménale. Enfin, phénoménale, je vais en avoir une dizaine à tout péter. Sur à peu près 150 qui sont sortis, je pense. Pas non plus exceptionnel. Mais ouais, je sais pas, je commence à devenir de plus en plus goodies. Sûrement un manque de place. Déjà que je galère à mettre toutes mes consoles en face de la télé. Donc t'imagines bien qu'avec tout ça... Alors j'ai pas la Hyrule Historia, moi j'ai la Retour vers le futur Historia. Le bouquin qui raconte en fait le tournage des trois films avec tous les goodies, genre la photo où tu vois les autres disparaître, les affiches des films dans le film. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La lettre que Doc envoie à Marty, tu vois, il y a plein de trucs comme ça dans le bouquin, c'est génial. Ah, t'as lesquels? Les 4 gardiens de Zelda à tous les coups? Ah, si je devais en avoir que 4, je pense que ce serait ceux-là, ouais. Pourquoi je m'avance comme un fion, moi? Oh là là, n'importe quoi. Même
énorme et soigne le L. Voilà. Attention. Hé, moi d'abord. Link et Mars. Ah, très... Ouais d'accord. Très épéiste. Première version. Il y a eu deux versions de Mars. Je sais que Link, il y a eu N64, Twilight Princess, Toon, Retro Link. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Link Majora's Mask. Il y en a eu au moins, je sais pas, 6 ou 7. Puis il y a eu Link Wind Waker en deuxième édition après derrière. Ils en ont fait tellement. Je pense que c'est un des amiibo où il y a le plus de versions différentes. Ah ouais, bah là au total j'ai quoi? J'ai Waluigi, Mario Pixel pour les 30 ans de Mario. J'ai Harmony, Smash Bros. Ah oui, non, il y a deux Harmony, il y a deux. Ouais, ouais. Non, donc Harmony Smash Bros. Inkling Boy du 2, Inkling Girl du 1. Je pensais que c'était celle du 2, mais en fait c'est celle du 1. Les 4 héros de Zelda Breath of the Wild et Tom Nook, non pas Tom Nook, j'ai Thibou et Keke de Animal Crossing. Et Zelda, oui, Zelda de Breath of the Wild et Link à cheval de Breath of the Wild aussi. Donc ça fait combien? Ça fait 2, 4, 6, 8. Ah, j'en ai un peu plus d'une dizaine au total, je pense. Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis squelette? Ah, je peux plus lancer, je peux plus rien faire. Quand est-ce que ça s'enlève ce truc? Polymorphie. Encore 15 secondes. Mais je fais quoi maintenant? Old Mouse One. D'accord, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, hein. C'est complètement ce que je fais. D'accord, c'est bon. Ah oui, ça connaît les strats, hein. Oh la vache! Ah, il te polymorphise comme ça, gratos. Je vais arranger un peu votre teint. Ah là, on commence les boss avec les vrais strats. Oh la vache. Eh, faut le savoir qu'il faut faire clic gauche maintenu sur le boss pour se dépolymorphiser. Ah oui, tu lui gueules dessus en fait. D'accord. Ouais, ça va. Ah ouais, non, j'allais dire, tu vois, il gère bien l'aggro. Attention, attention, attention. Oh là 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 là, puis il va te re-choper jusque là. Ah merde, 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 merde. Ah, il a quelque chose contre l'archère là-bas parce qu'à chaque fois il la chope. Hein. Allez, synergisez-moi ce soleil. Et boum, voilà. Thanks, bye. Ok, le mec était juste venu là pour farmer en speedrun dans le donjon. Bam, t'es mort. Ok, bye. Le panorama, par contre, est super joli. Je veux le même. Ça, ce sera possible dans Sea of Thieves, justement, ce sera possible. Tu te dis, ah, je retourne à mon bateau, je vais explorer la mer et tout. Je vais sur une île, il y a des squelettes. Oh là là, j'ai tellement hâte qu'il sorte, celui-là.
Ah, de toute façon, on va se vautrer sur Monster Hunter World entre temps. Janvier. De mémoire, janvier. Ouais, c'est ça, début d'année. Hein. Donc là, les prochaines sorties, ça va être quoi? Ça va être Okami HD, Monster Hunter World, Sea of Thieves. C'est déjà pas mal. Sachant qu'il y aura un Nintendo, je vais y arriver, Nintendo Direct en janvier. Et annoncera sûrement Animal Crossing Switch et Smash Bros Switch. Voilà, voilà. Salut Bouli. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans tout ça, moi? Armure légère. Elle est pas mal. Armure moyenne. Récupération de magie à 145. Et augmente la magie maximale de 820. Et bah voilà. Voilà, voilà. Voilà, un petit peu de loot en plus. Des petites choses à vendre. Tac, tac. Et voilà, là je me suis fait à peu près 1000 pièces d'or en un donjon. Ah ouais, non t'imagines, s'ils font ça. Non, 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 please, oh god, no, please, no, no, don't do that. Pitié, pas juste ça quoi. Oh là là, l'arnaque que ce serait. Mario Maker, il est... Pff, ouais non, j'y ai pas joué mais je... En même temps, enfin, il aurait sa place sur Switch, mais bon. Et donc là, normalement, j'ai récupéré ma caisse. Voilà. Et dans la caisse, couleur, les butins des indotables. Ces divers biens précieux furent écaillés. Ah, d'accord, c'est un truc que quand tu le vends, ça donne 1000 pièces d'or. Oh la blague. Ah oui, quand même. Un nouveau Kid Icarus, ah j'avoue. Un nouveau F-Zero, oh là là, un nouveau F-Zero et je change mon pantalon 3 fois, je pense. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre et dégager? Une très bonne question. Juste que je tège un truc. Je vais reprendre ça, je vais reprendre ça. Ah oui, c'est vrai, il faut réparer son équipement des fois. Ah ah, j'avais oublié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah mais non, mais j'ai pas envie de te parler à toi. C'était quoi l'épée? Une épée à deux mains. Ah ouais, quand même. Ah, une épée magie. Concept. Comme quoi dans tes eaux, tout est possible. Non parce que F-Zero, enfin c'est bien gentil hein, leur Fast RMX là, mais pff, ça a rien du tout d'un F-Zero. Last figure, régénération, celui-là je peux pas encore. Celui-là je peux pas. Pojo D. Là j'ai tout fait. Alchimiste. Rekuta. En fait, il faudrait qu'ils refassent comme qu'ils avaient fait sur GameCube. T'avais des excellents jeux Star Wars, très très durs, mine de rien. Tu avais des Mario. En fait, t'avais des jeux durs à l'époque. Non, c'est moche de dire déjà à l'époque pour la GameCube. Quand tu regardes Mario Odyssey comparé à Mario Sunshine, putain, c'est une blague. Mais là par contre ils font Mario Sunshine 2, imaginons. Mario Sunshine 2, F-Zero, Animal Crossing Smash, et un jeu Star Wars vraiment vraiment cool. Il faut aller dans tes mails pour avoir les récompenses.
Elles atterrissent pas dans l'inventaire cache. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Inflige tatata de magie et rend tant de santé. Ouais. Voilà, j'ai mieux. Et on va recharger. Convertir dans le style Moraktong. Fais voir. Alors, convertir cet objet dans le style. Le lira à votre compte, empêchant les autres comptes. Bah oui, normal. Cet objet ne pourra pas retourner à son état de style initial. Êtes-vous sûr de vouloir le convertir? Ah non. Non, j'ai pas envie. Réduit le temps de rechargement des potions inférieures de niveau 4. Oui, bon, c'est de la merde. Bah, y'a rien qui arrive, y'a quand même des bons jeux sur Switch, faut pas abuser non plus. C'est pas parce que Mario Odyssey a été complètement un branlage de bits de la part des sites de tests et tout, en disant « Oh là là, mon dieu, c'est le jeu de l'année, non, je suis désolé, pas vraiment. » Que c'est pas pour autant qu'il y a rien. Mario Kart est excellent, Splatoon est absolument génial, Zelda est exceptionnellement bon, pas parfait, très bon. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Arms, excellent jeu de versus. Ouais. Ça sert à fabriquer des meubles en pierre. Mais alors attends, comment on fait les meubles? Atelier de taille, forgeron, enchanteur, alchimiste, trésorerie. Nana, teinture. C'est peut-être au charpentier. Ah mais non, mais les meubles, tu peux pas les crafter tant que t'as pas les plans. Et les plans, il faut les looter. Ouais non, franchement, Mario Odyssey, ok, le gameplay est bien, tout ça, mais... Oh là là. Il est tellement en dessous de Sunshine, Galaxy 64. Non, ouais, non, franchement. Alors déjà que le jeu est hyper facile, en plus de ça, t'as un mode casure où t'as des flèches par terre qui t'indiquent où faut aller. C'est complètement con. Et je peux pas faire des meubles. Ça, c'est pour faire les poisons. Mmh. Ouais. Ah, des caisses, pardon. Oui. Ouais, non, mais c'est parce qu'avec le décalage du live, forcément, moi je crois qu'on parle d'un truc que j'ai déjà dit là tout de suite maintenant, alors qu'en fait non. Voyons voir. Donc là, forcément, je passerai en bleu. Fais voir ce que j'ai en spécifique. Ah tu vois, j'ai quasiment tout débloqué sauf les trucs de DLC finalement. Ça a l'air tellement beau là-bas. Ah carrément, Épervine. Ah d'accord. Ok. Ok, bah je vais repasser sur mon droïde. Allez hop. D'ailleurs, ouais, avec tout ça, j'ai même pas testé les tournois de Arms. Est-ce qu'ils ont fait un peu comme les Splatfest dans Splatoon? Oh là là. Autre chose. Beaucoup trop de choses. Ouais. Bonjour, je suis un serveur qui charge. Ah sinon ouais, sur GOG il y a Jazz Jackrabbit, ah oh, putain à l'ancienne.
Le 1 et le 2 qui sont sortis en version, bah, version GOG, hein, version remaster, DRM free, tout ça, ton truc qui passe sur des jeux récents, sur des PC récents, pardon. Ce qui en fait d'ailleurs des jeux récents pour le coup. Oh là là, Jazz 1 et 2. C'est à l'époque, tu jouais en coop à l'ancienne, à deux sur un même clavier. Et je sais pas pourquoi l'ambiance de ce jeu là me faisait un peu flipper, je comprends pas pourquoi, mais c'était très bizarre. Je risque de revenir, j'aime bien le terme employé, je risque, attention, faites gaffe, non, franchement, faites gaffe, à risque de revenir. A plus, River. Donc là, on est à Vivec. Si je continue, je suis en bleu, donc ça c'est bon, donjon aléatoire. Donc j'ai tout ça en donjon, tu vas voir que je vais encore tomber sur le cachot interdit. C'est vrai que je teste ça en C4. Guerre d'alliance, champ de bataille, PVP, mais il faut déjà que je débloque toutes mes compétences. Non, parce que bon, voilà quoi. J'ai quoi en meuble? Ah, des trophées, bah oui. Ah, ombre noire, tiens. Pour changer, la caverne de Kwama. La petite caverne de Kwama. C'est bien ça. Alors sinon d'ailleurs j'allais dire un truc, tu vois, j'y repensais l'autre jour en parlant de World of Drift, Sea of Thieves et tout ça. Et ben quand j'ai vu la news comme quoi l'événement des Kwama débute, ouais, carrément. Quand j'ai vu la news comme quoi celui qui fait PUBG voulait se lancer dans la création d'un MMO steampunk, je me suis dit, et merde. Comment il fait ça lui? Ah, c'est sûrement un artefact. Non, parce que moi je sais faire ça en fait. Flamme. Juggle flamme. Je peux faire pareil mais c'est pas un orbe. Je jongle avec. Regarde, attention. Hop. Ah mais non! Oh mais laissez-moi jongler avec. Ah oui merde, attends. Tata. Je suis druide, je ne suis plus rempli. Donc là, je fais zéro dégâts. Autant mon templier, il a une compétence pour finir les monstres exceptionnellement puissante. Mais alors lui, que dalle. J'ai la musique du menu principal dans la tête depuis 3 jours, j'arrive pas à m'en défaire. Je pense que je vais l'écouter en boucle, au bout d'un moment ça partira tout seul. Ouah, il est mastoc le monsieur là. Ouais, il fait 2 fois ma largeur. Ouais, quand même. Hein. Et il a un marteau en stalrim. C'est tellement stylé. Ah non, ça c'est moi ça. Aïe, où j'ai mis la garde. Ah, je lui fais 0 dégâts. En même temps, je suis pas DPS, donc ça sert à rien, je suis pas là pour les dégâts. Oula, toi t'as vu une araignée, Drama, ça se passe comment là? Ah, les coups de fil, le téléphone, les gens, c'est surfait. Alors le sort qui fait les pics de glace, je pense que je vais le remplacer un de ces quatre. Parce qu'il sert pas vraiment à grand chose, mais enfin bon. Ruran. Ah ouais, non mais alors par contre ils sont un petit peu tous sur moi. La forêt, mon gars, la forêt. Fais pousser ta forêt et soigne-toi, petit bourgeon.
Ma forêt qui maintenant soigne les gens 4 secondes après qu'ils aient quitté le cercle d'invocation en fait. Ça c'est pas mal. Ils sont pas obligés de rester dedans pour avoir tout le temps le heal. Cire gelée. Bon, de toute façon je pense que je vais rester, je vais peut-être pas faire enchantement mais je vais faire alchimie et meubles. Voilà, ça va être un petit peu ma... mon cadre de vie en tant que druide. Alors toi par contre t'arrêtes de heal, merci. Au revoir, beurre, tombe. Sale bête. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué mine de rien de jouer en FPS quand t'es dans les donjons parce que tu vois pas les zones rouges au sol ou les mecs qui t'arrivent dans le dos. Mais après jouer en FPS ça marche très très bien. D'ailleurs assez exceptionnellement bien pour étant donné que c'est un MMO. Je veux dire il y a plein de choses qui pour un MMO sont assez exceptionnelles dans ce jeu là, c'est impressionnant. Mais c'est un boss. Ah, des bottes de l'automne. Attends, fais voir. Ah non, moi je m'équipe en lourd. Ah ouais, non, attends. Faudrait que je m'équipe en armure lourde qui booste la magie. Bon, c'est concept, mais... mais ça marche. J'aime bien. J'aime bien jouer heal, comme ça, à distance. J'ai une vision globale du champ de bataille. Ah! J'aurais peut-être pas dû aggro jusque là moi. Il est temps de partir. Ah merde, trop tard. Ces deux-là seront peut-être en meilleur état. Faites-moi plaisir. Allez vous occuper des indésirables qui sont là. Je vais superviser d'ici. Ah bah supervise, t'as raison, ça va être à moi de tout faire. Ouais. Ah oui, merde, j'avais pas vu lui. J'allais dire, toi aussi. Mon dieu. Drama qui a peur d'un coup de fil de River. Dans quel monde vivons-nous? C'est absurde. Ouais, tank, bouclier, épée bouclier, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que gérer l'aggro, c'est assez spécial. D'ailleurs, il me reste un emplacement de personnage. Je crois que j'en ai déjà fait un. Cette mine appartient à la maison Celos. Vous êtes des intrus et serez corrigés comme il se doit. Eh bah tu sais quoi, pour le coup moi je vais sortir mon deuxième ulti. La tempête de glace mon cochon. Très pratique le sort de ronce, comme ça je le mets sur le tank et tu sais qu'il peut jamais crever. Crash Jaoum, la forêt. Laura, vite, synergie, voilà.
Oh la vache. La forêt. Ah mais attends, c'est sur moi qui sont les machins depuis tout à l'heure là. Je leur fais rien. Bah il est mort. Où est-on que j'ai eu là? Ah, c'est de la bonne qualité. Le vieux Cellos devait gagner une fortune. Alors vous pensiez qu'il y avait de l'or ici? Imbécile. J'ai peur des trucs random. Herbius, lâchez vos armes, assassin! Ah, Nervina, on dirait que tu es plus maligne que ton père. Vous me le paierez, Sadri. Il faudra m'attraper d'abord. Par Vivek, non. Oh mon dieu. Des lives random, t'imagines? Attends, non mais attends. T'imagines, ça veut dire que tu peux pas jouer à un jeu de cartes parce que dès que tu vas tirer une carte, tu vas être là. Oh mon dieu. Truc de fou. Ah mais attends, j'ai pas validé la quête. LOL, attends. Partez pas sur moi. Vous voyez que ça validait tout le monde, mais non. Bonjour. Ah. Oui. Acting sur 1. Je peux pas aller dans les casinos, moi je fais des crises cardiaques. Bah non, mais crame pas ton ulti pour 3 larves de bébête. Quand même. C'est quoi ces templiers à 2 francs 6 sous là? Je te jure. J'aime bien l'animation qu'il fait avec un bâton de soin. T'as vraiment l'impression qu'il lui arrache l'âme du corps. C'est comme ça là. Viens là. Ah mais ils sont pas agressifs en fait, depuis tout à l'heure on attaque des machins pas agressifs. N'importe quoi. Économisez vos forces. Oh oui, la petite bannière du puits de sang, ça c'est bien ça. Je vais appeler cette compétence la Totoro. Elle fait pousser des arbres. Et je sais pas pourquoi à ce moment là j'ai le thème de Nausicaa dans la tête, ça a aucun rapport. Enfin si. Par rapport côté nature, tout ça, les arbres, mais Mais ouais, non, Totoro, c'est pas aussi glauque. Ah, ça y est, j'ai envie de me remater Totoro et Nausicaa. Ah, il y a des jours comme ça. Enfin, bref. Ça ou me remater tous les Doctor Who? Ah, j'hésite. Attention, bien joué. Totoro. La musique quand ils invoquent l'arbre qui ressemble étrangement à un champignon atomique. Bon bah ça va, en tout cas ils perdent pas trop de vie. Ils sont level combien? Eh franchement ça va, c'est méga homogène hein. 26, 17, 17, 21. Franchement c'est cool. On se retrouve pas avec 20 vétérans, machin, je sais pas quoi. Ça, ça m'énerve. T'es level 20, tu te retrouves avec des vétérans 460. Du coup, ils rushent tout parce que le donjon, il s'adapte à toi aussi. Comme ce qui s'était passé, bah, c'était quand? C'était hier.
hier, c'était des cendres, niveau 2, hein, le meilleur donjon de l'univers. J'arrive, il rush tout. Même pas pu savourer le dragon, t'imagines ? Dégoûté. Aïe, ça c'était pour ma gueule. Bien joué. Alors, armure lourde qui augmente la santé, mais sinon moi je voudrais de la magie. Armure lourde, magie. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Est-ce qu'ils font, ils viennent ou pas? Voilà, on a des 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont totalement aggro tout le monde d'ailleurs au passage. Salut Delades. Du Fallout. Bah je l'ai pas Fallout. Un jour je me suis dit il faudrait que je tâte le 4. Histoire de, tu vois. Bah étrangement je suis pas très Fallout pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un équivalent. C'est comme si tu prenais Skyrim. En même temps oui. Et que tu enlevais toute la magie, que tu enlevais toutes les épées, que tu mettais que des flingues dans un univers tout gris, tout vert, tout moche. Et partant de ce principe-là, bah, j'ai jamais été fan. C'est rare les gens qui aiment à la fois Fallout et à la fois Skyrim. Enfin, à la fois les Elder Scrolls et à la fois les Fallout. Donc après je me suis dit bon bah s'il y a la GOTY, Game of the Year édition machin, tous les DLC, elle est en premier en un de ces quatre, pourquoi pas, à la rigueur, me tenter de la prendre. J'ai déjà testé hein, le 4, qui est en soi déjà beaucoup plus coloré que le 3 et New Vegas. Ah par contre après dans les dialogues c'est vraiment de la merde, hein, comparé d'ailleurs à ces deux derniers là, mais en soi bon ça reste un Fallout. On est tombé dans une casualisation des dialogues, mon cochon. Oh, la vache. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. C'est un elfe noir. Un elfe noir gardien. Un druide, quoi. Druide Spéil. Non, parce que sincèrement, mis à part les transformations physiques, c'est exactement le même druide que dans Warcraft. Ah, exactement, disons que ça s'en inspire beaucoup. Paf. Ah, tu fais partie de ces êtres qui aiment les deux en même temps. Oh là là, mon dieu, mais vous êtes éclectique. Vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes... Ou alors vous vous faites chier, mais genre vraiment vénère et du coup vous jouez à tout. Ce qui est peut-être le cas. Oui voilà, après on a peut-être une... Ah la vache, ah ouais non lui il est vénère à chaque fois t'as un mort avec lui normalement, donc on va essayer de pas crever. Pourquoi moi? Putain je tape pas, je fais que soigner. Paf, le coup de hache dans ta tronche. Ah voilà, ce coup là. Ça, si j'arrive pas à le tanker pour eux... Oh la vache, il recule, il recule, il recule, il recule, mais arrête de reculer, il revient par là. Ok, c'est l'autre qui commence à se le prendre sur le coin de la tronche. Ah, il commence à balancer l'électricité. Faites gaffe, faites gaffe. Restez pas devant, restez pas devant, ça va vous one shot. J'ai oublié de remettre mon extension pour voir à combien de points d'ulti je suis. Dommage.
Voilà. Fais gaffe mon cochon, fais gaffe. Ah oui, synergie. Mais ça marche plus. Dommage. Allez, vas-y, tank avec la glace. Oh, mais meurs pas toi là-bas. Voilà, soigne-toi. Soigne-toi, je suis complètement out of mana. C'est génial. Je suis trop loin pour le heal. Voilà. Faut vraiment que je sorte ma forêt là. Tac. La verdure. La glace. La ronce. Et le GG level up. Yo Kazé. Oui, le heal génère de l'aggro, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est plutôt que ça m'étonnait de générer autant d'aggro d'un coup. C'est plus ça en fait. Après oui, je sais. J'ai quand même joué à WoW, certes sur serveur privé, mais j'ai quand même joué à WoW, à Terra, enfin je crois que j'ai fait tous les MMO presque free-to-play. J'ai fait... Oh là là, pff, alors attends, il y avait quoi? Dragonica, Flife... Oh putain, Flife, mais quelle merde ce truc. Bah j'ai fait Ragnarok, évidemment. J'ai fait Ion. Oh putain, c'était relou ça aussi. En fait, c'était très beau, mais c'était très coréen. Ah, j'ai joué à Metin 2, oh mon dieu, oui. Oh la sale époque. Oh, vraiment la sale époque, ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voyons voir. Non, non, franchement, j'ai quasiment joué à tous les MMO free-to-play. Terra aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Florenzia, c'était sympa, mais c'était chiant. Et à chaque fois, je revenais à la même conclusion, c'est chiant. Sauf Tezo. For Story, alors For Story, non, j'ai pas fait. Enfin, j'ai pas tout fait non plus. Ah, attends, j'ai joué à Raiders aussi. Mais après, j'ai pas fait les récents. J'ai surtout fait les anciens. Jusqu'à à peu près 2012, et après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Alors si, caser le coup du message qui s'affiche pas dans le chat, moi ça m'est déjà arrivé. Et en fait, si tu regardes bien le petit alors, chat sur le live, tu verras que ton message est quand même envoyé. Ça m'arrive souvent en ce moment. Fly for fun, en fait, tu t'amusais à collectionner les machins pour voler, mais c'était que des... Alors, en fait, c'était l'expression parfaite de parc à monstres. T'avais des zones où t'avais plein de monstres à un endroit, puis juste à côté, plein d'autres monstres à un endroit. C'était super nul, en fait. C'est bien la concession. Je ne vous aimais pas. Ah, j'ai joué à Rose Online aussi. Ouais, c'était spécial. J'ai changé d'avis. Quelle plaie. Les œufs de quoi ? Yes ! Merci pour le level up. Alors, fleur de lotus. Donc 4 niveaux. Et là, j'ai rien de plus. Je sais toujours pas quelle arme jouer avec lui. Compagnons animaux, bah, en même temps j'ai rien dans la barre donc ça level up pas. Faudrait peut-être que je remplace en fait mon truc de glace par ça. Ouais, c'est pas mal. Histoire que ça level up un peu quand même quoi. Armure lourde. Grande résistance physique et magique. Armure légère peut-être alors. Ah oui, ça c'est bien. Augmenter la récup magie. Réduit le coût des compétences magiques. Augmente la résistance magique. Non, je vais reprendre ça. Ça. Bah voilà. Voilà, voilà. De la version Switch de Skyrim. Oh bah c'est une horreur sans nom. En fait, je veux dire... alors, en soi, Xenoblade 2 est encore plus dégueulasse que Skyrim Switch. Concept, hein, quand même. Alors qu'il a été développé expressément, pardon, pour ça.
mais en soi, oui, c'est bien de la merde. Bâton de feu. Pas mal ça. Botte de l'automate, armure moyenne, armure moyenne, armure moyenne, armure lourde. Non. On dit parfois que la bille. Mais ouais, non, on va pas en parler. Mais en ce qui me concerne... Catastrophe sur 20. Pas autant que Xenoblade 2, mais catastrophe sur 20. Ah, attends, bâton d'établissement. Ah non, il est pas top. Voilà. Oui, bah évidemment, et en plus, pas de mode. J'allais dire comme celui sur console, les autres consoles, mais en fait, si maintenant, avec le Bethesda Repository, tu peux le faire. T'as pas tout, mais tu peux le faire. Ce que je ferais, c'est, je pense que je reprendrai ça, je vais réinstaller Special Edition, sachant qu'il y a Sky 8 qui est sorti maintenant. Alors, pas en version finale, en version alpha-bêta. Mais Sky 8 a le mérite de enfin exister pour la Special Edition. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais installer juste ça, et je vais prendre tous les mods du machin Bethesda, et je vais essayer d'en faire l'aventure la plus complète avec des mods, juste sans utiliser le Nexus. En gros, en utilisant l'équivalent du workshop. Alors, je sais, je vous dis à chaque fois, faut pas le faire, mais vu qu'on n'est pas sur le workshop et qu'on est dans quelque chose qui permet de faire un peu plus que le workshop, de gérer son load order et tout, avec peut-être plus de mods, plus facile à gérer, je pense que ce serait une belle proof of concept de se dire bah voilà, ce sera quelque chose qu'on fait sur PC, mais c'est quelque chose qui sera aussi valable sur console. Non mais une cartouche ça se mode easy, non mais comparé à une version PC, non je suis désolé, le premier clampin qui arrive, il peut pas le faire. Le faux article sur un dev de Skyrim qui meurt en essayant de s'installer Skyrim sur lui-même. Nanny the fuck. Ah parce que autant Skyrim c'est à toutes les... En fait Skyrim ça va être le nouveau Doom. Doom sur imprimante, Doom sur montre connectée, Doom dans ta douche, Doom sur ton frigo. Bah Skyrim ça va être pareil, Skyrim sur Switch, Skyrim sur console, Skyrim sur ta daronne, enfin tu vois ça va être ça à peu près. Quelque part on a le successeur spirituel du jeu qui va être partout. Je te promets que dans 20 ans on va se dire ah ouais regarde Skyrim ça passe partout, je te le mets même sur ma voiture connectée. Doom dans ta gueule aussi, ouais. Allez. J'adore, ça fait tellement level up. Bah tu sais quoi, pour le coup, je vais craquer un autre parchemin d'XP couronne. J'aurais dû le faire avant, mais tant pis. Oui, non mais voilà. Ah non mais si, c'est un article parodique. D'accord, je croyais que tu parlais d'un truc sérieux, mais en même temps... Mais je crois que je l'ai vu passer, je sais plus si c'était sur Journal du Geek ou Reddit. Bon, sûrement Reddit. De toute façon, c'est simple. Vous voulez les infos 3 semaines avant tout le monde, vous allez sur Reddit. Après, ça va sur 9gag. Et après, 8 mois plus tard, ça va sur Facebook. Mal traduit. Donc c'est pour ça, en fait, quand tu côtoies des gens qui connaissent pas les internets plus que ça, ils vont être là « Ah, t'as vu cette vidéo? Elle est trop bien, je l'ai vue sur Topito !» Alors déjà, hein, on peut pas être parfait, mais là, quand même... Et toi, t'es là, tu es d'un air blasé, tu leur fais « Ouais, mais enfin, c'est bon, j'ai déjà vu il y a 3 semaines, quoi. » Et après, ils sont là « Ah là là, mais t'es pas marrant !» Non, c'est toi qui fais de la merde, hein. Ton Facebook, là, c'est nul, hein. Alors, Deladess, ça existe, il faut que tu combines en fait Dragon Combat Overhaul avec Deadly Dragons. Je te promets que... tu vas t'amuser avec ça. C'est peut-être pas autant que Monster Hunter, mais tu vas vite, vite mourir. Trouver un remplaçant déjà. Merde, on a plus de tank. À quand un live Monster Hunter? Bah, quand il sera sorti. Ah, il est bien celui-là, j'aime bien le donjon. Il est joli. Les ruines à Ileid. Dans le mauvais vallon, mon ami. Ouais, Topito en plus, ouais. Non mais carrément, tu vois, c'est pour bien enfoncer le clou. Le haut chanoine peut bien aller en oblivion. J'espère que ça en fait. Bah oui, mais bon, en attendant, d'ici une semaine et demie, on va se
se réconcilier, tu vois. Il y aura Okami. Okami, c'est la vie. Plutôt quelle arme dans Monster Hunter? Très bonne question. Au début, j'étais très katana dans le 3. Après, j'étais pas mal épée bouclier, j'aimais beaucoup. Très versatile. Après, j'étais pas mal... Alors oui, étrangement, Morpho H. Et après, je suis passé sur... Alors à partir du 4, j'ai complètement... Bah, en même temps, bâton, voilà, dès qu'il y a un bâton dans les jeux, moi c'est bâton. Donc bâton dans le 4U. J'ai essayé la Volto H, mais j'ai vraiment... Je n'y arrive pas. Avec... Ouais, au début c'était Katanoob, maintenant plus trop. Je n'arrive pas avec les guard points sur la Volto H. Et pourtant je me suis entraîné, mais c'est pas mon truc. Et là dans 4U finalement, donc bâton, grande épée j'avais jamais joué. Je me suis dit tiens, je vais essayer, bon c'est pas mal. C'est vraiment l'arme de base. C'est vraiment le truc qui a un timing parfait pour jouer contre les monstres quand tu connais pas. Et après, bah finalement ouais, bâton, grande épée, épée bouclier. Mais main bâton. Un petit bâton caméléos, mon cochon dans le 4U là. Oh là. Ah, je te les ouvre en deux avec. Avec un petit bâton explosif du Fatalis. Ah, ça pique. Hein. Franchement, ça pique. Ah, l'arc que j'aime beaucoup, mais j'y arrive pas du tout. Je comprends pas. Pour moi, c'est l'arme la plus désavantagée de tout le game. Consomme ta stamina en tirant. Ah oui, non, fusée arbalète léger. Bâton, fusée arbalète léger. Fusée arbalète léger parce que j'ai un 7 Seregios qui en fait avec un bonus 7 qui fait que rendre de la vie. Et quand j'ai ma vie à fond, ça inflige 3 fois les dégâts. C'est bien ma veine qu'on m'ait associé à un esclavagiste comme vous. Vous pourriez prendre une pelle et m'aider. Je suis un justiciard du Talmor. Hors de question que je creuse, orc. Mais après, génération et génération XX, oh là là, ils sont nuls! Le coup des 4 écoles, je sais pas quoi là. Oh, c'est tellement de la merde. Enfin, je sais pas, tout le monde joue le style de base. Ou tout le monde va dire, ouais, mais non, le style Bushido, c'est craqué parce que tu peux tellement tout esquiver, machin, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est pas terrible. Ne ralentissez pas. Je refuse de subir l'humiliation de l'échec. Pas devant une haute chanoinesse. Non, c'est pas les plus gros dommages du jeu, la grande épée. Hein. Le plus gros dommage du jeu, c'est la Volto H quand tu fais toutes tes fioles et que tu bourres le machin ultime dans la gueule du monstre. Ça, c'est le plus gros damage burst de tout le game. Après, le plus gros DPS rapide, ça va être la double épée, forcément. Non, franchement, tu vois, j'avais essayé Génération sur la démo, bah je prends le style de base, je prends le bâton et puis voilà, c'est tout. Mais alors, par contre, c'est vrai que dans le 4U, t'avais que deux armes qui permettaient de sauter de manière naturelle, sans rebord. C'était la lance et évidemment le bâton. Mais sans déconner, la lance, tu pouvais le faire. En fait, la lance, tu fais le coup qui te fait rush en avant et après tu tapes. Enfin, tu tapes ou tu sautes, un des deux. Enfin, t'as une touche, tu t'appuies sur A, X ou A, je sais plus, un des deux. Après ta course, pendant ta course, tu sautes. Vous n'irez pas plus loin. Tu sautes et tu tapes. C'était vraiment la seule arme qui pouvait le faire avec le bâton. Et évidemment, le bâton était complètement fumé dans 4U à cause de ça, mais bon. Quand t'avais l'insecte parfait, là, c'était... C'était juste n'importe quoi. Avec la console modifiée. Tout de suite. Tout de suite, ça joue les entourloupes. Oula. Ah oui, forcément, à force de DPS comme un gros porc. Ta-ta-da,
Ah oui, oui, non mais la Greatsword chargée à 100% dans un point faible avec toutes les stats qu'il faut, etc. Par contre, ouais, tu fais un damage burst de bâtard. Un truc que j'ai appris vachement tard dans les Monster Hunter, par contre, c'est quand t'as une arme poison. Et ben, imagine ton arme a fait 500 et t'as 200 de poison. Donc t'as pas mal de chances d'infliger poison déjà, d'une part, ok, ça c'est cool. Mais en fait, une fois que le monstre est empoisonné, et bien en fait, la stat poison se transforme en dégâts ajoutés. Ça c'est un follow de la Réunion TV qu'on entend derrière, encore une fois, alors qu'on n'est pas censé l'entendre, saloperie. Merci quand même, au passage. Et donc ouais, tu te retrouves à 700 dégâts au lieu d'avoir 500 plus 200 de chance proc poison sur un monstre. Et je l'ai appris alors que j'avais déjà 450 heures sur le 4U. J'étais là, ah d'accord. Donc ma Greatsword fait en fait 1000 et quelques damage une fois que c'est empoisonné. Parce que je joue Greatsword Caméléos. Ouais, Greatsword Caméléos ou Greatsword G, tu sais, ils avaient sorti une Greatsword un peu spéciale sur le 4U. Elle était pas mal belle en plus. Et elle avait des stats pas dégueu. Ah oui, mais après Shagaru, ouais, tout ce qui est gore et Shagaru Magala, c'est quand tu affrontes des Apex. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien du tout, t'as une chance sur deux. Alors attends, c'est celle du Gore Magala, je crois. T'as une chance sur deux de faire de la merde avec, quand tu tapes. Et au-delà de ça, toi tu vas arrêter de heal déjà. Hop, dégage. Ah, la Seragios. Ouais, Seragios, Rathalos, Ration, c'est mes monstres préférés pour m'entraîner. Je les martyrise tellement avec des potions, pas des potions, des bombes flash. Et à chaque fois, ils sont couchés au sol, ils peuvent plus se relever, la queue, elle est coupée, la tête, elle est pétée, les ailes, elles sont en morceaux. Ah, le Rathalos et le Ration, c'est tellement la sbirification. Mais en fait, ouais, le Seragios, quand t'as compris son pattern, il peut... Oh, tu sais, là, franchement, la première fois que tu l'affrontes, tu rages complètement parce que tu comprends pas. Tu comprends pas, il te met le saignement, le machin, tout. Mais alors, une fois que t'as pigé le truc, le machin, il reste au sol H24. Ouais, bah voilà, regardez, vous perdez 0 vie. Oh la vache. Attention, ça pète. Oh la vache, mais non, mais pas moi. Allez, je suis bientôt à mon... Voilà, voilà. GG. C'est ça qu'on aime. Un effet qui fait que l'ennemi tape plus fort mais prend une faiblesse à 100% à ton arme. Ah ouais. Oui, non, bah oui, c'est un truc de speedrunner là, parce que si tu te prends des dégâts en plus... Ouais, non mais non.
S'il y a bien un truc que t'as envie d'éviter dans Monster Hunter, c'est de te prendre des dégâts quand même. Mais en tout cas, ouais, je suis très curieux pour World, ça va changer masse truc. Le monde ouvert, le coup des potions que tu... Enfin, tu sais, t'es plus figé sur place. Les tenues de camouflage, le grappin. La vraie traque. La vraie, vraie, vraie traque des monstres. Je pense que je vais bien le camper le jeu quand il va sortir quand même. On aura enfin notre Monster Hunter Online. Mais en mieux. Voilà. Je viens de me faire complètement manger. Il y a un peu du monde là quand même. Restez en vie. Allumez ça. Oh, ça pète dans tous les sens, ça veut plus rien dire. Allez crève saloperie. Du bon travail. Quand on veut faire un ragoût, il faut bien vider quelques poissons, pas vrai? Qu'est-ce que dit? Et maintenant, venez, détruisons cet hôtel. World, il va être sur PS4, PC, peut-être One, je suis pas sûr, mais j'en sais rien. Et à vrai dire, je vous avouerai que je m'en tape. Mais encore une fois, il n'y aura pas de cross-platform pour un jeu comme ça, je suis dégoûté. Mais dans tous les cas, oui, je le prendrai sur PC, bien sûr. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment le truc de l'exclusivité... De l'exclusivité Sony, comme quoi le jeu sortirait légèrement avant sur PS4 que sur PC. Auquel cas, je vous emmerde. Mais ouais, non, y a pas de cross. Oui, après, c'est vrai que ouais, les monstres du rangé, dans tous les cas, ça fait mal. Ahem, ahem, Fatalis, ahem, ahem, Théostra d'expédition dans le 4 rues. Oh mon dieu, ce monstre là. Enfin, je réussissais. En fait, il nous faisait fail la mission une fois sur trois. J'étais en ligne avec des pick-up et tout, hein. Ils se démerdaient très très bien parce qu'en général, les gens qui faisaient cette quête là savaient extrêmement bien à quoi s'attendre. Mais alors, la supernova dans ta tronche. Machin, il arrive, supernova, boum, t'es mort. Oh, merde. Oui, voilà, histoire de bien me faire rager tout ça. Ah, j'aime. J'aime. Ah oui. Et ça ne... Voilà. D'une m'aurait pas... Ah, c'est là où il y a un screamer, c'est vrai déjà. J'avais oublié. Non, mais on connaît toute la compassion et la bienveillance de River, n'est-ce pas? Légendaire. Accompagné d'une armée qui mettra fin à cette guerre pour les Altmer. Ah, une guerre contre les Altmer. Ah ouais, c'est elle déjà qui te sort les mains du sol là pour te choper. Ah voilà, ce truc absolument glauque, elle t'enfonce dans le sol avec des squelettes. Ah, ça bête. Ouh là là, t'as failli mourir toi là-bas. Un prends tes ronces et tank. Voilà, c'est bien. Ah bah oui, non, mais par contre j'avais oublié l'invocation de squelette, effectivement. Attention, ça pète. Oh là, merde, ça c'est moi ça. Oh là là, il sort tous les ultis d'un coup là. Bla 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 bla. Mais non, pourquoi j'appuie sur C? J'appuie sur X, je veux appuyer sur X. Pas sur C. Ah, puis j'appuie sur Alt en plus. La blague. Sur ça, pète et j'étais encore dedans.
Totoro. Ah non, pas cette fois. Voilà. Yes. Épique GG. Ranette a donc entièrement vendu son âme. Oui, voilà, ça part d'un bon sentiment. Bakara, regardez. C'est ce que vous craigniez. Le rituel est terminé. Vous voyez comme l'obscurité se concentre. Bah, le fataliste blanc, moi je l'affronte au fusil arbalète léger si tu veux. Donc bon. Déjà que t'as une armure artilleur, tu te prends 500% de dégâts en plus dans la tronche parce que tu es une feuille morte, hein, concrètement. Qu'est-ce que c'était ? Oranet. Barrez-vous ! Oranet sera notre perte à tous ! Ouais, 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 vite, 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 barrez-vous là parce que... Ouais, voilà, parce que ça en fait. Prévenez le monde entier que les ténèbres s'échappent. Allez vite, à travers le portail. Voilà. L'œuf soit loué. Vous vous en êtes tiré. Vous avez senti. Je vais remonter. Oh bah, moins de 30 minutes. Non, si, je l'ai déjà fait ça. Pas souvent, souvent, mais je l'ai déjà fait. 144 de récup magie. Il est où le 117 là? Ah, augmente la magie maximale. Ça se fait de la récup vigueur. Ça déjà, ça va là. Là, on l'enlève. Là, on le met là. Ça, c'est quoi? Une armure moyenne, donc ça va être vigueur. Une armure lourde, ça va être santé. Donc ça ne me sert à rien du. Ah, peut-être qu'attends. Ça c'est pas mal ça. Ça je prends. Et bah voilà. L'outil est bon. L'outil est bon. Merde, j'ai ouvert mon task manager. Shot. Trois morts every time. Ah moi je l'ai battu en 5 minutes. Bien sûr. Le mode sur Emmet... Non mais c'est... non, bah non, parce que je console, donc pas de mode. Je savais même pas que ça existait. Non, le truc de MHK-Truc est un peu spécial, un petit peu tricky, c'est les missions d'expédition. Il faut vraiment choper la bonne, d'où le fait d'avoir un Théostra extrêmement pété, parce que c'est là où t'avais des monstres beaucoup plus forts en fait que ceux que t'avais de base. Donc t'avais des Gormagala craqueux, t'avais bah, le Théostra complètement fumé, qui te fumait toi-même déjà à la base. Sur des terrains extrêmement ouverts, le Caméléos. Et il y en avait un autre. Et voilà, c'était pas mal. C'était bien. Techniquement parlant, c'était vachement bien. Alors après, c'était compliqué. Oh, il est déjà 18h20. Eh ben. Vous devez être dans un emplacement AK. Je sais pas ce que c'est. Ah, alliance contre alliance. Pour intégrer le filtre entre guerre d'alliance. Ça paraît logique. Plan de bataille. Match à mort, domination, capture de reliques, Chaos Ball. Chaos Ball. Oh vas-y. Je vais test, je connais pas. Le Gravios volcanique, je crois pas. Ah, le Kurupeko bleu. Dans Empire au sombrage, aucun des deux. J'irais plutôt... Bah ouais non, vraiment aucun des deux, j'irais plutôt anti-Talmor. C'est le Talmor hein, qui fait que ça se fout sur la gueule. Je vais dire enfant de dragon. Voilà. Le mec qui prend pas... Je suis la Suisse.
Non, 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 franchement, dans Monster Hunter, le monstre qui m'aura fait plus rage quit, mais vraiment... ça faisait très longtemps que j'étais pas vénère comme ça. C'est le Tigrex Magma. Enfin, déjà, le Tigrex, à la base, il est relou. Mais alors, celui-là, bah, j'en avais... on en parlait déjà l'autre fois. Oh là là. Tigrex Magma sur sa map de merde, là. Où t'as qu'une seule petite zone nulle. Ah, j'en pouvais plus. Enfant de juron, moi ouais, j'avoue. Tima Rambler. Je sais pas combien de temps ça va prendre à chercher, mais pendant ce temps-là... Le retour d'Alduin dans... ça dépend... ah, ça dépend la chronologie, en fait. Parce qu'Alduin a été banni 1000 ans. Donc en fait, si ça se passe 1000 ans après, ouais. Ah non, le Brachydios, il buguait pas. Non. Ah. Enfin, je sais pas. Tendu, chu, je sais pas quoi, c'est quoi ça là-bas. Bon, ça m'inspire pas des masses. Mais bon. Ah, le saut du Brachydios. Ouf. Ces ruines m'appartiennent à présent. Mon peuple les aura bientôt vidées de cette malédiction. Vous ne ferez que rejoindre la collection de pantins de Galgama. Si nous vous revoyons, nous supposerons que vous êtes un vaisseau de cet esprit. Et vous tuerons à vue. Vous êtes prévenus. Mm-hmm. C'est cool. But not today. C'est classe un Edge, on peut pas l'avoir en monture. Ah, dommage. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, Segunda et Mauser sont représentés tellement plus petits que dans Skyrim. Mauser tu la vois, normalement elle fait cette taille là dans le ciel. D'ailleurs, physiquement parlant, astrologiquement parlant, une planète qui a une lune, qui elle-même a une lune, c'est voué à s'éclater l'un dans l'autre. Peu importe le temps que ça prend, c'est voué à s'éclater et à se mettre... voilà. Donc en fait, Tamriel, Mundus, est voué à se cracher, enfin Mauser et Segunda sont voués à se cracher dans Mundus. Je sais pas quand. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi là on le voit plus petit il y a 1000 ans que dans Skyrim. Qui veut dire que si en 1000 ans le machin a triplé de taille, ça veut dire que 1000 ans plus tard, et bah, y a plus de Elder Scrolls. Voilà. Ou alors que dans les plans d'Oblivion. Ah, c'est hyper inquiétant, hein, mine de rien. Remarque, vu la taille comparée à Skyrim, non, ouais, non, je donne même pas 500 ans. En 1000 ans, elle est passée de cette taille-là à cette taille-là. Ouais, c'est chaud. Ouais, non, je pense 500 ans après Skyrim, il y a plus de monde. Ouais, ça fait bizarre de penser ça comme ça. Sachant que normalement, dès que t'as un jeu, c'est toujours dans le futur, 200 ans, 300 ans plus tard. C'est chaud. Oui, bah après, voilà, le soleil, c'est un trou dans l'Ethereum, mais... la physique reste la physique quand même. Ah, ou alors dans un... oui, non, ça pourrait être stylé ça. Tiens, dans un des jeux, tu fais comme Vivek qui arrête un météore, tu arrêtes... tu repousses soit Mauser, soit Segunda. Ou alors tu te rends compte que c'est des plans d'Edric. Oh, t'imagines ? Tu allies tous les sorts de toutes les guildes des mages de tout Tamriel. Pour qu'il crée un sort d'antigravité et repousse la lune. Aïe. En fait, Majora's Mask. Ouais, The Elder Scrolls 7, 8 à peu près. Majora's Mask.
Ouais, c'est vrai. Ouais, il y aura sûrement un enfant de daron qui va gueuler sur la lune, un truc, et pouf, ça va la repousser, tu vois. Ouais, voilà, TGCM, comme on dit. Exactement. Ça a l'air cool là-bas. Ça a pas l'air cool là-bas. Oh, attends. Aïe, 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 aïe. Oh mais non, y a un jour, faut arrêter là. Ou alors imagine, y a plusieurs enfants de dragons qui se réunissent et qui dans un Fusroda ultime qui résonna à travers les âges, repoussèrent les astres loin dans les confins de l'univers existant. Et paf, dans un plan d'Oblivion d'un quelconque Dédra qui se le prend sur la gueule après. Mais ça, ce sera dans les Elder Scrolls 10. Ouais, Psychonauts, j'ai déjà joué, je l'ai sur Steam, je l'ai fini. Excellent. J'y ai joué relativement tard par rapport à sa date de sortie, parce que je l'ai découvert sur Steam. Tout comme Jet Set Radio. Ah là là, ouais. C'est des bons jeux, ça. Par contre, Jet Set Radio Futur... Allô, Microsoft, vous voulez pas le faire sortir sur PC? Non, parce qu'une Xbox première du nom, c'est chiant à trouver, en fait. Pour un jeu. Oui mais c'est normal Kazemugen, c'est l'heure de l'apéro. Totalement l'heure de l'apéro. Oh, j'y croyais plus. T'as rien à manger? Bah, suce du manioc. Enfin, je sais pas. Oh, t'imagines, le programme spatial de Tamriel, organisé par les Grisbarbes, sponsorisé par l'Empire. Alors nous avons un moyen de propulsion extrêmement nouveau, novateur, qui se base donc sur des réserves de magie extrêmement puissantes. Waouh, Chaos Ball, ça a l'air tellement débile comme mode de jeu, je connais pas du tout. Franchement, dans Tezo, je n'ai que fait l'histoire, je n'ai que fait les donjons, j'ai jamais fait les champs de bataille, j'ai... jamais fait le PVP non plus. Ça se passe comment? Faut faire quoi? C'est comme le Lucio Ball dans Overwatch? Qui c'est quoi? Bah après oui c'est vrai, tu connais pas tous les modes dragon non plus hein. Ah les mecs ils vont jouer à un mélange de foot et volleyball dans de la lave. C'est concept hein, quand même. Ah, bienvenue au 72e compétition du Chaos Ball. On se croirait dans Wakfu en fait. Alors que les équipes s'apprêtent à rentrer sur le terrain. De notre côté, nous avons donc un druide space soin qui devra spammer ses sorts, étant donné que c'est un sport extrêmement violent. Nous avons un... je sais pas, et un truc avec une hache à deux mains. Envoyons-les rejoindre leur dieu. D'accord, donc non, faut les tuer en fait. Non mais faut prévenir hein, s'il faut tuer en fait. Dans ce cas-là, je prends un build de... un build de tue seulement. Et je tue. Ah, monsieur, il a un truc au-dessus de la tête. Alors attends, vert, orange, orange. Mais ça veut dire quoi? Moi, je suis violet. C'est du PVP? Mais c'est chiant. Non? Enfin, je propose hein, que ce soit chiant, mais... voilà. Bon, déjà, je comprends plus rien à ce qui se passe déjà. C'est génial. Voilà, donc je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Vous voyez pourquoi j'aime pas le PVP? Parce que déjà que le PVE c'est hyper bordélique quand tu sais pas trop ce que tu fais. Mais alors là... alors imaginez en PVP quand t'as des mecs qui te sautent à 50 dessus contre 50.
Ah ouais, non, c'est bien une histoire de babale. Ouais, mais faut tuer pour avoir la babale, quoi. C'est nul. Ils ont perdu la balle. C'est là où tu serais content de jouer avec un sorcier qui fait contrôle de foule. J'ai récupéré la balle ? Non, même pas, je sais pas. Ouais, j'ai tué un Jean. Je comprends pas en fait comment ça fait que la balle apparaisse, que la balle disparaisse, enfin bref. Ah, le PVP c'est pas mon truc. Hein. Voilà, lui il va me sauter dessus, j'ai zéro sort donc ça sert à rien que je heal ou quoi que ce soit parce que... Putain mais je me heal de 0 point de vie. Ah c'est magique, ça me heal pas. Mais on peut pas se heal. Je lance mon sort et tout, c'est censé me redonner... Ouais mais non ça marche pas. Ouais mais après ça c'est génial parce que le draconique, le Dovra, est une véritable langue. C'est un vrai truc. Un vrai de vrai truc. Ah dans ce cas là je sors mon nounours moi. Hein. Hop là, allez, nounours power. Ça c'est un méchant ça. Sans déconner, je crois que mon sort il heal vraiment pas. Ah oh, mais ouais, mais s'il s'attaque à mon... Oh là là, bah oui, bah non, bah... Bah j'ai pas compris. Ouais, tu duel pour finir sur Duel Links, ouais pourquoi pas. Ça c'est du PVP que j'arrive à comprendre. Que je sais que je vais me faire démonter par ton deck à deux balles encore là, mais... Prenez la balle. Mais ouais. Non mais je sais pas, je m'attendais à un mode de jeu, tu sais, tu te dis il y a une histoire de babale, bah tu t'attends à un mode de jeu à la Lucio Ball, comme dans Overwatch, t'as une balle, tu tapes, ça la lance, simple, tu vois. Non, non, bah là, on faut encore se taper dessus. Putain, c'est chiant. C'est hyper relou. Je sais pas. Jamais mis PVP dans les MMO, ça me saoule. Qu'est-ce que tu veux comprendre à ce qui se passe? Regarde, paf, toi t'es mort, non? Bah non, parce que t'arrives à te heal plus que ce que moi je te tape. En même temps, mon druide, je le joue à peine, enfin, j'ai rien débloqué dessus. Bon, bah là, il y en a un qui est mort. Pas d'accord. Ça, c'est comme les MOBA, je comprends jamais pourquoi ça passe, et là, ça passe pas, et là, ça passe, et là, ça passe pas. C'est pour ça que je joue pas, c'est parce que ça me saoule. C'est parce que j'y bite rien. Pourtant j'ai essayé, hein. Pas lol, j'ai jamais touché à cette merde. Mais un jour on m'a dit ouais vas-y essaye, comment il s'appelle déjà? Celui qui est en troisième personne là. Merde, pas Battle Right, c'est encore un autre. Ah, celui avec les dieux là. Celui avec les dieux. Je comprenais rien de ce que je faisais, rien du tout. On me dit ouais vas-y va là, fais ça machin, tu verras ça marche et tout, la nana, parce que si, parce que ça. Ah non. Non, je comprends toujours pas ce que je fais. Puis ça marche pas quand même, hein, même si tu me dis que ça marche pas quand même. Ah oui, d'accord, ça te gèle comme ça. Ah oui, c'est chaud. Ah, je sais, là, tu vois, soigner, c'est simple. Soigner, mes potes, ils ont mal, je soigne, ça soigne, point, ça marche. Ça je sais faire, il n'y a pas de soucis. La balle est libre. Onsi soit loué. La balle est libre. C'est inadmissible. Ils ont la balle.
Mais où? Je comprends pas où en fait. Ah, Smite, ouais, c'est ça. Non, Paladin, c'est comme Overwatch. Je me démerde un peu dessus. Parce que je sais pas viser. Mais je me démerde un peu dessus. Tu vois, c'est pas pareil. Je me prends des attaques de je sais pas où. C'est méchant ça? Oh putain, oui, c'est méchant ça. En fait, je spam tous mes boutons dans tous les sens parce que je connais pas le pattern de mon druide par cœur. Donc forcément, bah. Je fais de la merde. On doit prendre la balle. Ah non, là franchement, j'essaie de taper. Hein. Je vois que je meurs pas, je me dis c'est déjà pas mal, mais. Alors après. Est-ce que je fais des dégâts? Est-ce que je fais des. Je sais pas. Ah si, j'en ai peut-être tué un là. On va peut-être tuer un autre là. Mais tu vois, je mets mon sort de heals. Putain, faut que je lance 8 fois pour me lancer et pour me soigner full life. Non. Comment ils ont fait? Je sais pas, je vais rage quit. Je comprends pas. Je sais même pas quand est-ce que la balle apparaît, comment il faut la reprendre, qui a qui. Oh non, là c'est bien de la merde ça quand même. Hein. Ah, Dofus. Ouais, mais Dofus, faut avoir l'abonnement, tu sais, l'abonnement comme on faisait à l'ancienne, à la semaine et tout, machin, avec des codes Allopass, tout ça. C'était un petit peu. C'était les. Voilà. Un modèle économique comme un autre. N'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il se lance? Ouais. J'avais pas vu ta légendaire modestie, River. Tous les étés, je retourne dans ma demeure. Dans mon Dofus. Alors attends, il est où le jeu? Il est là le jeu. Ah oui, mais alors faut mettre du son. On n'entend rien. J'ai coupé les sons de Duel Links, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est chiant. Bon, alors là, vous m'en voudrez pas, je mets pas de son request pour là, maintenant, tout de suite. Parce que, voilà. Juste mettre des petits sons au pif, comme ça. Ah, attends, un truc d'OST, comme ça, ça flinguera pas la playlist. Enfin, la VOD. Hop, tout lire en aléatoire, nanani, nanana, pouet, pouet. Ah! Ça, c'était mes oreilles. Après, je s'appelle Groot, River, je la modeste. Attends, elle vient de voir, elle fait « Ah, je modeste ». Tout à fait, d'accord, merci, c'est cool. Ah, bienvenue dans l'édition numéro 72 de notre grand tournoi Yu-Gi-Oh! Ce soir, au programme du défionçage dans les règles de l'art avec un deck absolument pas maîtrisé, alors qu'en face, un challenger! Et lui aura fait un deck à la main et qui, ma foi, la maîtrise d'une main de maître. Est-ce que notre favori réussira-t-il à lui infliger une défaite, ne serait-ce qu'une, ce soir dans Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ouais, bah son deck c'est un peu ça, hein. C'est je s'appelle River, pouf t'es mort.
Et tu comprends rien d'autre en fait. T'as juste le temps de voir que ton adversaire s'appelle Riversong et de comprendre que t'es mort. Ça, ça résume bien la chose. Ah merde! Mais quel boulet, mais quel con, mais pourquoi j'ai fait ça? Bah du coup on... Ah mais non, mais en aléatoire. On va se taper tous les Smash Bros sinon. Ah oui, bah voilà, bah tiens, vu qu'on parlait de Camille, tout ça, voilà, on se met en condition. Ah oui, là on se met bien. Ah là là, mais tout est quasi parfait dans Okami. Les musiques, la direction artistique, le gameplay, l'histoire. Tout est génial. Alors j'ai joué à un moment à Pokémon TCG, mais alors après, bon, après c'est très très bien, parce que tu peux jamais dépenser de vrais pognons pour des cartes. Donc t'es plus ou moins codépendant de ta progression. Et je faisais que jouer avec des decks préconstruits parce que je connaissais pas le jeu, je... voilà. Mais j'ai beaucoup de mal avec les jeux de cartes, j'y arrive pas. J'adore hein, les jeux de cartes, c'est beau, c'est coloré, j'aime les cartes, les machins, mais je suis une putain de quiche. Le mind game, calculer 8 coups à l'avance, moi je peux pas, j'y arrive pas. Moi je suis dans l'instinct, dans le timing, dans le truc. Ouais, tu vois, c'est plus... tu me prends sur... je sais pas... entre autres Naruto Shippuden. Ah ouais, je défonce quasiment tout le monde dessus. Avec des persos trolls, genre grand-mère Shio, tu vois. Ça, ça marche pas. Et à ce moment-là, oui. Là, on est d'accord, là, j'arrive à quelque chose. Attends, River, hein, on est bien d'accord. Méga marqueur. Non. Je sais pas ce que c'est. En plus ça c'est la côte de... Comment c'est déjà ? Ryoshima, voilà. Ça c'est l'endroit où quand tu penses que t'as fini le jeu, en fait Okami te dit bah non. Eh, hey, tu m'as pas fini là, t'as fait que la moitié. Là tu fais oh. Ah ouais quand même. Ah, Mega Maker, putain, marqueur, j'ai lu marqueur. Mega Maker, bah oui, c'est Mario Maker version Mega Man. Oui, mais si, je connais. Je connais. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres jeux qui aient pris ça, en fait, pour le faire. Parce que ça s'y prête vachement bien. Tu fais Sonic Maker, enfin, je sais pas. Franchement, avec Sonic Maker, t'aurais des niveaux qui seraient 100 fois mieux qu'à peu près 75% des jeux Sonic sortis jusqu'à maintenant. De toute façon, Okami, c'est la vie. Pourquoi ça marche pas? Ou le kikouisme? Bah Mario Maker, c'est Mario Maker, pourquoi ce serait Kikou? C'est Mario. En ligne. Pourtant, j'ai fait les mises à jour, c'est la version Steam. Ah, je suis argent 1 seulement. Je pensais... Hein? Mais non, mais je suis gold. Pourquoi je suis argent 1? J'étais monté gold. On va pas être copains là. Ah, plus de possibilités. Oui, d'accord. Ah, ça y est. Ah ouais, en plus quand tu peux courir sur l'eau avec Amaterasu, quand tu récupères de la relique... Tu peux tellement aller explorer partout. Il y a tellement de choses à faire avec les pouvoirs du pinceau qui sont cachés, mine de rien. C'est même pas des quêtes secondaires, c'est vraiment des trucs planqués qui vont te donner des trucs pour 100% de jeu à fond. Et auquel tu te dis, mais merde, si tu testes pas tout en parlant à tout le monde, tu peux pas le savoir. Mais ouais. Mon endroit préféré dans le jeu, ça va, c'est toute la côte de Ryoshima jusqu'à après, en fait, le long de la plage. Avec la grande ville qui est à côté. Oh, vivement le 12 décembre. Ça tombe à mercredi en plus. Vous pouvez voir. 1, 2, 12... Ah non, ça tombe à mardi. Oh merde. Oi, oi, oi. Ah bah attends, parce que si le jeu est disponible à minuit du soir, Arte c'est la nuit,
Ah, ok, mis sur Switch, putain, ouais, j'achète. Ah, carrément. Ah, je l'aurais acheté sur tous les supports de jeu. Laisse tomber. Sauf PS4. Je l'ai eu gratuit dans Humble Bundle sur PS3. PS2, oui. PC. Ah ouais, Switch. Ah, mais carrément. Bon, c'est cool parce que sur PC, ça touche plus de monde pour l'instant. Oh là là, mais Okami portable, mais oui. Mais oui, mais oui. Bon, par contre, le duel machin, il marche pas du tout. Ça a l'air complètement broken. Je suis en quelle version du jeu? Voyons voir, non, parce que c'est ça aussi qui bloque des fois. Comment on peut voir sa version de jeu? Ah, c'est au tout début, quand tu lances. Attends. What? Yu-Gi-Oh! Yeah, the Lynx! Je suis en version 2.1.0, mais de toute façon, il n'y a pas de mise à jour. Bah là, ce soir, on s'arrête aux alentours de 19h. Et après, on reprend à 21h pour la suite de Ace Attorney. Alors, ça, c'est censé être une reprise d'Overwatch, mais je l'aime pas du tout. Ah, celle-là, elle est mieux. C'est qui, lui, déjà? Ah ouais, c'est vrai, il faut des points. De base, ça fait des points, les points, tu les échanges, tout ça, tout ça. Bah, attends, le temps que on voit comment ça peut se régler, je vais essayer de tenter une petite ranked. Parce que je suis désolé. Mais j'étais monté Gold 1 et pas Silver 2. Ou même Silver 1. Non mais où? Donc respect my autorita et fais-moi monter. T'es en 2-20? Oh merde. Comment ça se fait que le jeu soit pas la même version sur téléphone et sur Steam? Non, je devrais avoir la mise à jour sur Steam. Ah non, y a pas. J'ai qu'une mise à jour du workshop de Hat in Time. Zut. Non bah après au niveau musique, ouais, ce que je fais en général dans ces moments-là, c'est que je mets un song request. Alors on va faire un truc, parce que normalement j'ai tout un layout spécialement pour ça, vu qu'à la base le jeu était sur téléphone, mais évidemment il est passé sur Steam. Yu-Gi-Oh Kart. Voilà, ça. Alors normalement il y a ma tête dedans, bien sûr. Mais ça donnerait quelque chose comme ça. Bon, évidemment on voit plus le chat. Voilà, on va fucked up le layout. On est pas à ça près. Voilà. Bon alors monsieur, par contre faut jouer. Ah, tu repars une classe en dessous quand il y a mise à jour. C'est même pas une histoire de saison, c'est une histoire de il y a eu une mise à jour, donc nique-toi. Ah, oh, c'est nul. C'est triste. Ah bah c'est pas grave, on va au moins essayer de reprendre un petit rank. Monter, parce que tu montes jusqu'à argent 5, et après argent 5 c'est gold. Et après gold 5, ou je sais plus si ça va jusqu'à 5, mais après c'est platine. Je crois que même après platine, t'as maître de jeu. Enfin bref, ça monte très très haut. Anti-piège. Alors en face on a quoi? Carte équipement, un monstre de type guerrier. Comme par hasard, lui monte de 700. C'est un putain d'attaque. Le monstre type guerrier que vous contrôlez gagne 200 d'attaque. Tout va bien. Et il fait quoi lui? Au début de la damage step, c'était position défense. Mais il sera pas position défense dans tous les cas, donc non, ça ne marchera pas. Pouette. Oui, il faut dire aussi Yu-Gi-Oh! Des fois, quand je connais pas les cartes, j'ai la flemme de lire et donc je perds. Non, parce que. Faut avouer que t'as des cartes où t'as un paf ton texte. Tu te demandes comment sur les vraies cartes IRL ils font tenir le texte, c'est tellement écrit petit. C'est pire sur les nouvelles cartes nulles là, X6, pendule, je sais pas quoi là. Oh là là, et dire qu'on va devoir se les bouffer quand même ces trucs. Ah oui! Ah l'ancienne. Tellement le meilleur jeu de la vie ça. Ah oui, j'ai beaucoup de jeux de la vie.
Il faut le savoir. Paf. Oh, t'es mort, c'est con. Non, parce que, si tu veux, après, bon, tu peux avoir plusieurs jeux de la vie, mais jeux de la vie sur différentes époques, avec différents styles de jeux. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est mon jeu de la vie de l'époque Mega Drive, au tout début de la Mega Drive, quand je l'ai eu. Et jeu de la vie dans les beat'em all. Beat'em up, je sais jamais lequel des deux faut dire. Alors, il faut savoir un truc, c'est que si tu me dis ça comme ça, je pars du principe qu'il faut pas te croire, en fait. Les internets, tout ça. Ça peut sembler méchant, dit comme ça, mais... Même dans la vraie vie, quand quelqu'un te dit « Ah tiens, regarde ça, c'est bien. » Bon, dans la vraie vie, tu peux plus ou moins identifier si c'est une entourloupe. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que Pokémon Or et Argent, c'est quand même the ultime version où t'avais Kanto et Johto. Je pense que ça restera les meilleures versions, d'une certaine manière. Cuphead, un remix de Cuphead. Ah ouais. Je vais me le mettre sous le coude celui-là, tiens. Cibler un monstrueux, blablabla. Jusqu'à la stampede. Putain, mais c'est quoi ces cartes? Donne 700, donne 1000 points de... Oh, mais c'est pété. Non mais attends... T'as une carte magique comme ça, hop, pendant mon tour, machin, gagne plus 1000. Non mais attends, plus 1000. Ça va, le deck guerrier, il est pas du tout broken, en fait. Oh lolo. C'est le niveau de la plage, ça, en plus, fais voir, Genesis, tâche 3, ouais, c'est la plage. Parce qu'à la prochaine standby phase, en plus. Oh lolo. Donc, normalement, là, il n'y a plus. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Envoyez des six samouraïs. Ah ouais, index samouraï guerrier. Oui, oui, oui. Sacrifier mon six samouraïs pour cibler sur le terrain. Oui, d'accord, ok. Arcs narratifs, c'est une image ou vraiment 15 000 arcs narratifs? Ça fait beaucoup de narration quand même. C'est chaud. Ah ouais, non, d'accord, ok. Putain. 200 chapitres. Ah, le jeu téléphone en PLS. Ah, c'est pas cool. Parce que t'as même pas un petit PC portable pour le faire tourner sur PC? Ouais. Ah, je sais pas, ils ont peut-être merdé un truc, peut-être, hein. Je vais me faire défoncer. Oh là là, pff, voilà. Bah alors, ce que j'aime pas dans les jeux de cartes, c'est que souvent, alors, Yu-Gi-Oh ou un autre, hein, c'est peu importe. C'est quand t'es dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu peux bien, putain, de faire? Ouais, vulgarité, tout ça. Bah, rien, en fait. Voilà. Tu vas sortir une carte. Ah voilà, mais il faut top deck. Et si tu top deck pas, c'est ça que j'aime pas dans les jeux de cartes, c'est le hasard qui est pas que trop présent. C'est chiant le hasard. 600 heures, ah oui quand même. Comment ça perdu? Bah c'est pas perdu. C'est vachement bien. Faut avoir le courage et l'envie hein, pour taffer tout ça là. Oui bon bah là il va me mettre 500 et puis après derrière il va me mettre 1008. Bon bah c'est perdu quoi. Oui mais en même temps tu vois je préférerais encore avoir des gens qui font des choses comme ça que de se taper des choses comme la télé-réalité. Ça, ça fait perdre du temps, ça rend les gens cons. Ouais, et bah putain c'est pas fameux hein. Oh, yeah, yeah. Pourtant, je m'en sors très bien avec ce deck en général, mais alors là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, j'y arrive à rien.
Je vais finir par Derank en bronze, tu vas voir, ça va être vite fait, bien fait, réglé comme ça, et hop. Le jeu qui dit allez, dégage. C'est moche. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Déjà, l'illustration en elle-même, ça prend du temps. L'écriture, enfin je veux dire, c'est comme le dessin, faut pas croire que oh, j'ai une idée, j'ab, je fais un dessin, j'écris un truc, ça marche. Non, c'est comme tout, ça demande du temps. Ouais, c'est ça, moi je comprends pas les gens qui regardent ça au second degré, je veux bien que tu te vides la tête et tout. Je dis pas qu'il faut regarder Arte, H24 et tout, mais quand même un peu, enfin je sais pas, non, je... Quitte à se vider la tête, autant se la vider, pas juste la liquéfier, enfin non, c'est un avis comme un autre. Hein. Ouah, Pegasus. Ah ouais, tu peux pas redescendre plus bas. Ouais d'accord, donc je suis vraiment au fond du panier là. Ah. Pas là. Bon, par contre, ça dure un peu 3 heures. C'est chiant. Ah ouais, ah ça c'est... Ah ouais, non, elle est géniale. Bah ça c'est leur reprise par The 8-Bit Drummer de Your Contract Has Expired. Ah, tellement bien. You fool! Ah oui, mon dieu, ah oui. Tellement bien. Ah c'est quoi, Livre des Toons? Oh c'est con, je commence avec la meilleure des cartes que j'ai contre toi. 500 points de vie dans tout mon... Bah à chaque tour en fait. The Request. Maybe, maybe not, maybe yes, again the no, again the yes. Ah, The Hat in Time, si vous aimez les jeux de plateforme à la Mario Sunshine précisément, foncez, jouez-y sur Steam, il y a le workshop, il y a les niveaux des gens et tout. Ah ouais, quand même. Oui, enfin, tu sais que l'histoire de multiverse et le voyage dans le temps, ça existe dans Pokémon, avec l'épisode Delta de Pokémon Rossa, quand même, hein. Où il justifie la méga évolution, parce qu'en fait, c'est deux timelines différentes. Et c'est pour ça qu'elle n'y est pas dans les anciens Ruby Saphir. Ah oui, oui, bah oui, oui, Jojo, oui, oui. Ne t'en fais pas, le planning est respecté. Ne t'inquiète pas, mon enfant, tout va bien se passer. Ah là 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 là, ce boss. Fais gaffe à dire des choses comme ça, ça va extrapoler du style. Tu me dis chalutier, pêche au gros, baleine. Ok, tu me traites de baleine. Voilà. Non mais j'en ai connu des gens hein, comme ça, hein, c'est. Je veux pas catégoriser voilà, comme ça, mais en général, les éléments féminins ont tendance à le faire extrêmement souvent. Oui, ce soir, il y a de l'anti-aliasing, ouais. Ouais, le boucher du bistrot, t'as un mec du PMU qui arrive. Ta lecture me micro-agresse, j'avoue. Did you just assume my gender? Mon dieu! 21h, ouais. Ah bah il est déjà 19h, bon, de toute façon. On fait une pause entre 19 et 21 parce qu'il faut quand même manger. Ouais, c'est chiant. Si on devait ne plus jamais manger, ne plus jamais dormir. Sauf pour le fun, tu vois, juste comme ça. Ah, oh, ce serait bien. Ouais, 2700 points d'attaque. Ah, les streamers mangent pas. Ah bon? Ils font quoi? Des unboxings et ils mangent ce qu'il y a dans la box et comme ça, voilà, il faut genre ils ont mangé. C'est ça. Oui, bon, bah voilà, il va parler un peu par-dessus, mais c'est pas grave. Fasciste de Jean Lafontaine. What? Ouah, tu serais doué sur Tumblr, toi.
Ouais, mais tu vois, ça vient d'une époque machiste, rétrograde. Donc quelque part, ça vient, c'est logique. C'est complètement débile. Ah, moi aussi, je love it. Je love it complètement. Voilà, allez, on zappe. Oh oui, génial. On parlait de F-Zero. Et ben voilà. Bon, par contre, là, je peux rien faire. Voilà, voilà. Je peux rien faire. Rien faire. Sauf si j'ai le mur miroir ou autre chose. Je vais me faire défoncer par ce truc liquide. Non, enfin, sauf si, beaucoup, même. Mais en fait, le problème, c'est que Tumblr, c'est un espèce de nid à Social Justice Warrior, mais violemment concentré. Et encore, ça va. En fait, le truc, c'est que j'en ai un de Tumblr. Oui, voilà. Ça, c'est mon petit côté caché, c'est que j'ai un Tumblr. Attention. Mais c'est un Tumblr où, en fait, que je refais que rebloguer des trucs de jeux vidéo. C'est un petit peu ma collection personnelle de trucs que je trouve cool. Mais il date en plus, hein. Attends, faut que je le retrouve. Tu vois, on peut le retrouver. En fait, je l'ai sur mon téléphone, et du coup, je connais plus mes identifiants, donc je pourrais pas me connecter sur PC. En fait, il est à l'abandon depuis méga longtemps, mine de rien, mais... Est-ce que je peux le trouver en tapant comme ça, fais voir. Des bisous d'Elades, à plus. Non, même pas. Non, peut-être juste pour me marrer, je regarde juste des trucs de Route 34. Mais je vais pas... Ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Ah ouais. Ouais, non mais je suis méchant de toute façon, mais ça c'est pas nouveau. Est-ce que je peux retrouver mon Tumblr? Putain, j'y arrive pas. C'est quoi le nom de mon Tumblr? Attends. Tumblr. Ah mais ça attaque directement les points de vie. Ah bah oui mais non. Oh relou. Alors voyons voir. Comment il s'appelle? Bah oui, il s'appelle comme ça. En fait, il s'appelle comme mon Twitter. Bah. Pourquoi je peux pas le retrouver? Ah! Alors attends, je suis sûr là, je peux retourner le game. Parce que cette carte est activée, banif, c'est blablabla. Non invocable spécialement, sauf si vous contrôlez Monde des Toons. Donc si je lui enlève Monde des Toons, sa carte, elle dégage. On est d'accord. Allez, dis-moi que ça marche. Hein? What? Oh. Bon. Dommage. Allez, pour le beau jeu, je vais tous les mettre en position attaque, si je peux. Invocation Fulip. Pipendo. Tu peux même pas bourrer dans une carte pour... Tu vois, là où c'est un peu relou, c'est que tu sais que quand t'es bloqué, tu peux rien faire. Tu peux même pas baisser les points de vie de la carte ou je sais pas quoi pour la tuer après en trois coups. Non, tu peux rien faire. Ok, ça marche, Drama. De toute façon, après celui-là, on s'arrête, hein, il est 19h passé. On fera notre pause après. Pendant ce temps-là, moi j'essaie juste de retrouver mon Tumblr en tapant... Et puis je le trouve pas, en fait. Je trouve pas, parce qu'en fait j'ai mis un nom, c'est un jeu de mots si tu veux, avec mon nom. Et il trouve... Putain. Il trouve tout sauf ça. Ah attends, si je l'ai. Pas du tout. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Ah ouais, alors... Oh, je suis introuvable. Je suis introuvable.
Putain, mais même en tapant des trucs neutres, tu tombes des fois sur des... Pas des trucs de cul, mais des meufs à poil. C'est chiant. Oui, voilà, hein, bah oui, hein, mon deck il est fort, mon deck il me fait monter Roma Platine Master Game. Gna 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 gna, hein. J'en foutrais, moi, des decks. Ah, ça aussi, je vous conseille, si vous connaissez pas Night in the Woods. Certes, c'est en anglais, mais l'histoire est absolument géniale. C'est plus un jeu de narratif qu'autre chose. Bon, mais j'ai perdu, encore une fois, hein. Oh, je suis pas dedans, j'ai pas la tête à ça ce soir, c'est ouf. Ah, ça va être beau avec Ice Attorney tout à l'heure. Voilà, là, 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 erreur de connexion. Manquait plus que ça. Donc là, pour lui, il a gagné, mais pour moi, j'ai eu erreur de connexion. Le jeu est pas stable pour un sou, par contre, la plupart du temps, c'est relou. C'est dommage, c'est dommage. Ah, le jeu est pas dégueu, c'est vraiment... Paf, en fait... C'est bien et pas bien. Parce que les cartes font le même effet alors que t'as moitié moins de points de vie avec un terrain moitié moins grand. Encore une fois, mais... En soi... Ah non, mais tu peux taper tous les noms que tu veux en rapport avec ton Tumblr, tu le trouveras jamais. Jamais, jamais, jamais de la vie. C'est ouf! Mon Tumblr est perdu dans les abysses. Gna gna gna, je suis river, gna gna gna, je fais des decks rouages, gna gna gna, je gagne et je me tape, je me la pète. Parce que j'ai un deck qui tape tout le monde et du coup voilà. Ah, moi aussi je peux le faire. Ah là là, t'as fini de faire ton jojo là? Ah, faudrait que je retrouve l'adresse. Bon, on peut voir l'adresse URL d'un Tumblr. Paramètres. Page visible sur votre Tumblr. Paramètres de base. Non. J'ai 91 abonnés en plus. Mais d'où ils viennent ces gens? Ah, ce Tumblr là, c'est plus comme une espèce de marque-page de favori de trucs que j'aime bien. Je sais pas pourquoi c'est... Non, enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah voilà, bah rendez-vous à 21h hein, pour la suite, tout ça. Ace Attorney, le premier sur DS. Et puis voilà. C'est tout. Pour le moment. Ouais, voilà, et bah tu sais quoi? Regarde, si moi je joue plus à Duel Links, et bah tu pourras plus utiliser ton deck. En tout cas, contre moi, c'est moche, hein. Ah, oh, ce serait moche. Ouais, mauvais joueur jusqu'au bout. Allez à toutes, bon app et tout ce qui va avec.